manière habituelle de fonctionner pour l'humain, c'est faire, avoir, être. Je fais quelque chose pour avoir quelque chose, pour être quelque chose à quoi j'aspire. Et ça s'applique à tout sans exception. Si vous regardez bien, vous prenez par exemple, en général l'humain aspire à du bonheur. Si vous prenez n'importe quelle action que vous faites, c'est pour avoir plus de bonheur, n'importe quoi. Et comme on est pris dans cette modalité, on s'imagine qu'en satsang ça va être la même chose. Je vais aller faire un satsang, comme ça je vais avoir plus d'informations et comme ça je vais pouvoir être heureux enfin. Ça se trouve, on va pas parler. Hein. Et c'est comme ça, par ce conditionnement-là, c'est presque la nature même de tout le monde manifesté. C'est même un animal est dans ce système, même une plante est dans ce système. Donc c'est pas forcément évident d'en sortir. Les premiers sages, qu'on appelle les rishis en Inde, ce qui veut dire ceux qui voient la vérité, ils ont vu que l'humain avait un problème fondamental, c'est qu'il était constamment insatisfait. Et c'est fascinant de voir à quel point l'humain est capable de désirer intensément quelque chose, et dès qu'il l'obtient, pouf, ça rebondit, et il y a autre chose qui arrive, ça désire encore autre chose. Et il y a une insatisfaction permanente. Donc, avec pas mal d'introspection, ils se sont rendus compte que où que tu ailles dans l'extériorité, quelles que soient les expériences que tu vas faire, l'extériorité, c'est le monde perceptif, donc tout ce qui peut être perçu. Et bien forcément, il va y avoir une déception. Et donc, ils se sont dit, c'est pas par là. C'est pas par là qu'on peut trouver une complétude. Donc, il y a eu un demi-tour à 180 degrés. Ils se sont dit, on va arrêter de chercher dans ce qui est vu. On va aller voir vers ce qui perçoit. Vers ce qui est vu, il n'y a que des objets. Des objets de perception, même des pensées, peu importe quel objet de perception, ça peut être énergétique, astral, peu importe. Et un objet, c'est toujours fini. C'est toujours limité. Donc vouloir trouver une satisfaction, une complétude, à travers quelque chose de fini et limité, c'est pas très raisonnable. Même par la raison, on peut se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Donc les sages se sont dit, ça ne peut pas être dans le monde limité qu'on peut réaliser ce à quoi on aspire. Il y a beaucoup d'humains qui ont lâché l'affaire, qui ont, entre guillemets, accepté leur sort et se disent, bon, bah, c'est comme ça. Il y a de la souffrance, on fait avec, et puis je ne pourrai jamais trouver une complétude. Et il y a quelques humains qui pressentent que non, ça peut être autrement. C'est possible. Il y a quelques humains qui pressentent qu'on peut être heureux de manière constante, sans fluctuation. Les sages se sont rendus compte que là où on se fait attraper, c'est justement ce principe « je fais quelque chose pour avoir, pour être ». Et ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'en fait, on peut couper directement et que le fait d'être est bonheur. Il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas besoin d'avoir.
comme je disais hier, on fait des économies là. Il n'y a pas besoin d'aller en Inde. Et en réalité, dans l'absolu, il n'y a même pas besoin d'aller en 700 en fait. En réalité. Sauf que le savoir, ça suffit pas. Alors, c'est important de croire ce que disent les sages. En Inde, on dit que c'est hyper important. Il faut croire, sinon vous ne pouvez pas... Ça va être très difficile. Il faut croire que... Dans une forêt, il y a des champignons pour pouvoir en trouver. Sinon, après, peut-être, un coup de chance, vous allez pouvoir tomber sur un champignon comme ça par hasard, mais bon... Mais ce n'est pas une croyance juste du mental. En général, pour aller au bout, c'est plus une aspiration de l'ordre de la foi. Quand j'étais adolescent, des fois je lisais des textes de sages. Et par exemple, quand je lisais le texte de Siddhartha Gautama, qu'on connaît sous le nom de Bouddha en Occident, mais en fait, des Bouddhas se disent réveillés, et il y en a plein... là-bas aussi. Enfin, il n'y a pas que Bouddha, Siddhartha Gautama, il y en a plein. Et à la fin de cette histoire, c'était... Donc Siddhartha disait « J'ai su que pour moi, tout était accompli et qu'il n'y avait plus rien à accomplir. » À chaque fois que je lisais ça, ça pleurait. À chaque fois que je lisais ça, ça touchait fort ici. Et je ne savais pas pourquoi. Donc il y a une aspiration qui est au-delà de la croyance. On sait que c'est juste, on sait que c'est vrai. Et même si tout le monde nous dit le contraire, quand on a vraiment une foi absolue, on ne croit pas ce que tout le monde nous dit. On sent, on écoute plus ici que le monde. Donc le croire avoir cette aspiration, c'est bien, mais bon, tout le monde veut, a priori, si vous êtes là, c'est que vous ne voulez pas juste y croire, mais le vivre, le réaliser. Les sages nous disent, vous êtes déjà réalisé, mais ça n'aide pas des masses, en général. En général, ça ne suffit pas non plus. Il y en a qui disent, si vous voulez réaliser ce que vous êtes, voyez ce que vous n'êtes pas. Et ce que vous n'êtes pas, c'est tout ce qui... à avoir avec une référence, quelle qu'elle soit, à propos de vous. Un référentiel. Que ce soit un référentiel physique, genre l'objet physique, le corps, que ce soit un référentiel mental, des histoires que je me raconte à propos de moi, référentiel énergétique, toutes les références, en fait, à propos de vous sont fausses, ne sont pas la vérité de ce que vous êtes. Donc ça fait le tri pas mal, il ne reste plus grand-chose. Peut-être que pour certaines personnes, si je vous dis, essayez de lâcher toutes les références à propos de vous, les étiquettes, tout ce que vous pensez à propos de vous, il peut y avoir une détente qui se manifeste. Quelque chose qui s'expand, qui se dépose, qui se relâche complètement. Et justement, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Dans le sens du goût d'une une paix, un relâchement. Que vous êtes vous-même, vous ne pouvez pas l'attraper.
Les références, on peut les attraper, on peut les saisir. Mais ce que vous êtes, vous ne pouvez pas l'attraper. Le fait d'être ne peut pas s'attraper. C'est comme ça qu'on se fait avoir en général pendant encore des années, même quand on pressent la vérité. C'est qu'on essaie d'attraper une expérience, d'attraper quelque chose. Regardez d'où émerge le mouvement d'attrapage. Et c'est là. D'où émerge ce qui veut saisir ou ce qui ne veut pas saisir. C'est pareil, c'est aussi un vouloir. Je veux pas, c'est un vouloir pareil. Donc ce qui reste, c'est qu'il y a une présence qui est tranquille, stable, et de là, il y a plein de choses qui émergent totalement spontanément. Ça, tout se fait automatiquement, tout seul. Vous pouvez regarder dans votre expérience directe, en fait, là, vous pourriez croire que vous faites un effort, mais vous n'en faites pas, en fait. En réalité, il n'y a aucun effort. Ça respire tout seul, le cœur bat tout seul, ça entend tout seul, ça voit tout seul. La vie se vit sans personne aux commandes, en réalité. Et lorsque vous réalisez cette évidence, vous voyez que ça avait toujours été comme ça. Comme on disait avec Gérald sur le chemin, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a posé une question, qui m'a dit on dirait que tu ne te rappelles plus comment c'était quand tu étais en quête. Souviens-toi comment tu étais quand c'était en quête. Ça paraît tellement simple quand tu parles, mais rappelle-toi. Et là, j'ai cherché, je ne me rappelle pas. Je ne me souviens pas de ce que c'est d'être un humain. Je ne sais pas lequel de nous deux était le plus choqué. Non, j'étais pas choqué, mais c'est juste que j'essayais d'attraper quelqu'un, mais je ne le voyais pas, quoi. Et comme c'est tellement notre nature, c'est tellement ce qu'on est, c'est comme si je vous disais, rappelez-vous du rêve que vous avez fait il y a 6 mois, comme c'était vrai à propos de vous. Et en fait, pour vous, c'est évident que ça ne l'était pas, donc ça n'a aucune importance, aucun intérêt. Il n'y a rien là-dedans. Donc du coup, il n'y a pas de focalisation. Ça demande beaucoup d'efforts d'être un personnage spirituel super. Ça demande aucun effort d'être ce qu'on est. Souvent, ce qui empêche la réalisation, c'est les idées qu'on a par rapport à soi maintenant et les idées par rapport à ce qu'on a de ce que ça devrait être un être réalisé. Et donc ça coûte, ça demande beaucoup d'efforts. Il faut faire quelque chose pour se changer, pour se guérir, pour pouvoir réaliser ce qu'on est, alors que non. On part de maintenant, il n'y a que maintenant, et puis on laisse se révéler ce qui veut se révéler. Voilà, sans l'attraper, enfin on n'est pas obligé de l'attraper en tout cas. Peut-être que par réflexe il va y avoir encore des mouvements de saisie, mais ça aussi ça peut se contempler, ça peut se regarder comment ça saisit. La première chose sur laquelle on peut commencer à modifier dire sa vie, entre guillemets, parce que la vie n'est pas personnelle, mais la première chose sur laquelle vous pouvez commencer à changer, c'est juste la relation vis-à-vis des perceptions, vis-à-vis de ce qui émerge. Et déjà, ça change tout. Quelle est la relation vis-à-vis du silence, par exemple? Quand je suis comme ça, les yeux fermés, qu'est-ce qui émerge? Est-ce que il y a un endormissement? Est-ce que j'aime pas m'endormir quand je suis... tranquille comme ça, ou est-ce que ça aussi s'est embrassé? Est-ce que j'accueille le fait que... c'est inconfortable pour moi le silence? Peut-être que c'est pas le cas pour vous, mais...
Est-ce que j'accueille le fait qu'il y a peut-être un mental qui est agité? C'est pas un problème. Le problème, c'est la relation vis-à-vis du mental agité. Est-ce que vous êtes capable d'aimer le mental agité? De l'embrasser? Quelle que soit la situation, c'est jamais la situation le problème, c'est la relation vis-à-vis de la situation. Donc on pourrait commencer comme ça et voir si peut-être il y a encore des situations pour vous qui sont difficiles à embrasser. Mais même ça, ça peut s'accueillir en fait. Mais bon. Quand vous dites accueillir, ça veut dire l'aimer, ça veut dire comment ça l'accueillir? Je suis dans une situation, par exemple, difficile ou en conflit avec quelqu'un, donc vous allez me dire, il faut l'accueillir. Comment je fais pour accueillir si jamais je me sens troublée ou, voilà, est-ce qu'il faut aimer ou est-ce que c'est une perception? Et là, alors, on entre de nouveau dans le mental. En fait, la nature même de la présence, c'est que ça accueille automatiquement. Et la seule chose que tu peux faire, c'est justement voir tous les mouvements de résistance, de contraction, de tension intérieure par rapport à ça. Et voir, en fait, en soi, est accueillant. Par exemple, là, tu vois l'image, et cette image-là, elle s'accueille. Elle s'accueille depuis une présence qui est tranquille. Donc là, automatiquement, il y a une projection dans l'image, c'est-à-dire que la conscience, elle focalise dans l'image. Si tu retournes l'attention vers ceux qui voient l'image, c'est-à-dire que tu peux centrer ton attention derrière les yeux. Donc là, il n'y a pas d'image. En gardant les yeux ouverts, tu peux te centrer sur la non-image. Je ne sais pas si tu arrives, oui, tu vois. Oui, oui. Tu peux voir que donc l'image vient se déposer comme ça sur cette tranquillité. Là, c'est très tranquille derrière. D'accord. Parce que parfois, quand on est dans le conflit, d'un coup, on va être mal, mais il y a même des aspects physiques. On a peur, on se sent tout d'un coup oppressé. Et c'est difficile de par exemple, de justement, ce regard, c'est vraiment un apprentissage, quoi. C'est difficile parce qu'il y a le réflexe de défense. Il y a un réflexe de défense qui est là depuis l'enfance. Un réflexe de protection. Donc, si tu peux juste essayer de lâcher ça, de regarder comment c'est, mais sans en rajouter, de voir ça de manière non personnelle, comme un mouvement de la vie qui s'exprime. C'est pas toi, c'est la vie qui s'exprime. Le jeu que je fais faire des fois aux gens, c'est de regarder la main comme ça, et au lieu de dire c'est ma main, de dire c'est la main. Et de sentir la différence de ce que ça fait intérieurement. Si tu regardes la main et tu dis c'est la main, il se passe comme un recul, et tu vas pouvoir l'envisager avec beaucoup plus de tranquillité. Et là tu vas voir que automatiquement ça va s'accueillir et ça va revenir à l'équilibre, de fait. Dans la nature, tout revient à l'équilibre, en permanence. Tu regardes une forêt tropicale, par exemple, c'est un système parfait, il n'y a pas de perte énergétique. Ça fait que des cycles parfaits. C'est pareil, le corps, c'est exactement pareil. Il sait revenir à l'équilibre si on ne contracte pas, si on ne vient pas ajouter quelque chose par-dessus. Et dans certains cas, cette contraction, ça peut être une croyance, enfin, c'est même souvent le cas d'ailleurs, ça peut être une croyance à propos de soi, qui est même souvent même pas conscientisée. Et c'est pour ça que la plupart des gens, en fait, ont du mal à lâcher parce que cette croyance-là, ils ne la voient pas, ils ne la perçoivent pas. Pour ça, dans un premier temps, en méditation, les sages disent commencer par
clarifier un peu le mental. Quand les pensées ralentissent, l'émotionnel, en général, commence à se révéler, on ressent mieux son corps. Et puis, petit à petit, on remonte jusqu'aux croyances fondamentales. Ça, c'est la voie progressive. Oui. Sinon, la voie directe, c'est de réaliser qu'ici et maintenant, il n'y a personne. Donc, comme ça ne t'appartient pas, il n'y a pas de problème. Oui. Pour avoir un problème, il faut croire que tu possèdes le problème. Oui. Si le problème est un mouvement de la vie, c'est un mouvement de la vie, c'est impersonnel. Oui. C'est un problème quand quelqu'un rentre dans ta voiture sur un parking, c'est moins un problème quand c'est la voiture de quelqu'un d'autre. Oui. C'est pareil, c'est la même chose. Donc tu te sens moins concerné. Moi je le ressens comme un réflexe. Oui, le réflexe il dit « à moi ». Oui. Ah ouais ? C'est le principe du petit personnage, c'est qu'il dit tout le temps « à moi ». Mais c'est subconscient, on ne s'en rend pas compte. Hein. Il y a un petit doigt qui dit « à moi ». Parce que, ça peut aussi... moi je sais que personnellement, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'appartient. Je vois un animal malheureux ou deux personnes qui se disputent, mais de nouveau, je ne suis pas bien, quoi. Je ne suis pas bien, ça ne me concerne pas, mais je ne suis pas bien. Qu'est-ce que tu en sais que ça ne te concerne pas ? Ah, ça oui, a peut-être une croyance qui est liée à, par exemple, le sentiment d'injustice ? Ah oui, d'accord. Oui, ça va jusque-là, d'accord. On voit ça souvent chez les gens qui veulent sauver le monde, qui disent que le monde est pourri. En général, c'est qu'ils ont un sentiment d'injustice qui est là, comme une croyance fondamentale, qui est ancrée depuis l'enfance. Ça ne veut pas dire qu'on est... comment dire ? Il peut y avoir de la compassion quand même. Oui. C'est pas genre, quand il y a réalisation, rien ne nous concerne et... Oui. Non, il y a quand même de la compassion. Oui, mais ça... Mais ça ne te touche pas. Voilà, c'est pas... Enfin, disons qu'il y a un regard qui se pose, j'imagine. Oui. Et qui voit la situation, qui la comprend, mais qui ne reçoit pas comme ça, comme un choc. Voilà, c'est un truc qui fait mal, quoi, hein, au point où après ça bloque même de plus pouvoir manger. Ou, voilà. Moi je suis comme ça un peu, hein, je suis tellement empathique des fois que c'est. Voilà. Et peut-être qu'en effet c'est ce sentiment d'injustice. Oui, en regardant ton histoire, c'est sûr que c'est ça. Oui. Et par rapport à ça, pour se désidentifier, est-ce qu'on peut dire « Ah tiens, il y a un sentiment d'injustice ?» Le regarder comme donc, ça. Enfin, il y a plus simple, juste être avec les sensations du corps, ici et maintenant, de laisser émerger ce qui vient, de ne pas vouloir interférer, vouloir que ça aille plus vite, vouloir s'en débarrasser, etc. Parce que ça, c'est le personnage, forcément. Mm-hmm. Et il y a une confiance en la vie qui est nécessaire. Parce que le personnage, s'il vit une émotion forte, il va croire être englouti. Je parle dans un cas d'un grand trauma, par exemple, une grande peur. Une personne, justement, qui se croit la personne, va sentir cette peur et ne va pas vouloir y aller parce qu'elle a peur de disparaître. Et c'est pour ça que je dis, la pratique, entre guillemets, elle est, on pourrait dire, elle est double. C'est-à-dire que les sages, ils conseillent en même temps... Tu vas voir les choses, tu t'accueilles. Et en même temps, quand tu ne vis pas une situation comme ça, tu goûtes la paix et tu t'établis dans cette paix. Parce que si tu te sens rétracté, rikiki, et juste quelque chose avec des contours et limité, tu ne vas pas pouvoir embrasser une émotion qui te submerge. Pour pouvoir l'embrasser totalement, c'est plus facile si tu as une assise. Si tu sens une paix, par exemple, qui enveloppe... et que tu te sens vraiment identifié à cette paix, cette souffrance, elle ne va plus prendre tout ce que tu crois être, c'est-à-dire tout cet espace-là, elle va prendre juste un tout petit point dans l'espace, puisque toi, tu es la totalité. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es beaucoup plus vaste. Ingérable. Voilà, c'est plus ingérable. C'est jamais la personne qui guérit, je parle vraiment de la vraie guérison. La guérison ultime, c'est jamais la personne qui guérit, ça ne peut pas, puisque...
La maladie, c'est de se croire quelqu'un, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça la cause de tous les problèmes. Donc, petit à petit, il y a l'identification change dans un premier temps, puisque tu t'identifies plus au corps, mais tu t'identifies à l'espace tranquille. Et après, même ça saute. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus identification à quoi que ce soit. Tu reconnais que tu es ça. Tu es par nature un espace tranquille, inaltérable, et c'est permanent, c'est tout le temps là. Qui est du bruit, pas de bruit, de l'émotion, ou pas d'émotion, beaucoup de pensées, pas de pensées. Et ça, qu'on le sache ou pas, c'est le cas de toute façon. Oui, c'est le cas, sauf qu'il faut le vivre. Si tu ne le vis pas, ça ne va pas t'aider. Il faut arrêter de vivre les illusions quand tu vis. Faut pas y croire, c'est tout. C'est... En fait, c'est pas une question de faut arrêter. Tu peux pas arrêter la manifestation. Ouais. Et il y a aucun problème en fait avec la manifestation. On peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Enfin, dans le monde, on peut continuer à vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est juste, va y avoir souffrance si tu prends ça comme une fin en soi. C'est pour ça que dans beaucoup de textes sacrés et en yoga, on dit tu as le droit, par exemple en yoga, on dit tu as le droit à l'action, mais pas au fruit de l'action, c'est-à-dire au fruit de l'action du monde. Krishna Dasana Bhagavad Gita, tu peux faire plein de trucs dans le monde, tu peux t'amuser dans le monde, mais se mettre en quête pour espérer obtenir un fruit qui soit pour toi une satisfaction, vraiment un dénouement et que ça soit résolu, quoi. Non. Pourquoi, en fait, c'est pas triste. Pourquoi t'as pas le droit au fruit de l'action? Parce que le fruit, tu l'as déjà. Non, mais tu l'as déjà. Jésus dit, votre récompense, ils ont déjà la récompense. La récompense, elle est déjà là maintenant. Pourquoi tu veux un fruit extérieur à toi-même? Enfin, en fait, c'est pas extérieur. C'est pour ça que la plupart de ceux qui partagent sur l'éveil, par exemple, il y a pas mal d'exemples au moment où il y a la réalisation, ils disent « tout est là ». Alors qu'à ce moment-là, par exemple, dans la pièce, il y a juste une chaise, un lit, ils vont dire « tout est là ». Là, maintenant, tout est là. Mais c'est sûr que pour le mental, c'est pas excitant, quoi. Pas du tout. Ben non, pas du tout. Parce que Ramana Maharshi ou alors Mahananda ont été souvent malades, ils sont tous décédés de maladies. Mmh. Ils ne sont pas décédés, mais... Enfin, le corps est décédé. Ouais. Parce que tu as dit, c'est la maladie, c'est... La maladie, je veux dire, le problème, ce qui cause vraiment la souffrance, c'est de se croire quelqu'un, c'est pas de la croire maladie. Une personne. C'est pas la maladie alors. Bah, la maladie, c'est en général cause de souffrance. Oui. Quand on dit t'es malade mental, c'est que tu souffres du fait de ton activité mentale. Quand on dit t'es malade physique, c'est que tu souffres du fait de l'activité du corps physique. Ou t'es malade émotionnellement. Et chez les petits-enfants, vous avez dit hier que les petits-enfants, ils n'étaient pas encore totalement identifiés. Pourtant, il y a des petits-enfants tout petit à la naissance, qui on voit bien qu'ils souffrent. Ça ne se vit pas exactement de la même façon. Ça se vit pas pareil. Donc c'est nous qui avons cette impression que le petit enfant, par exemple, il souffre. On a beaucoup d'impressions. Ouais. Pas que là-dessus. On croit savoir ce que vivent les gens. Donc souvent... Parce que ce qui fait qu'on est touché, comme tu as dit tout à l'heure, je suis touché, c'est que tu t'identifies et que tu te mets à la place de... En fait, tu n'as aucune idée de ce qui est en train de se passer. Moi, c'est terrible. C'est vraiment un truc chez moi, ça me pourrit la vie, quoi. Si tant est que la vie puisse être...
Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est impossible. La vie avec un V majuscule ne peut pas être pourrie, quoi. C'est pas possible. C'est quelque chose qui me vient. Je peux pas décider, moi, de plus croire à moi. Sinon, je tourne en boucle. Comment ? Sinon, je tourne en boucle. Je sais, je sais pas comment, je sais pas comment dire. Mmh. Tu vois, je sais pas comment dire. Je peux pas, moi, le personnage, dire tiens, je veux plus croire à moi le personnage. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'ai ce sentiment, des fois, d'être dans une boucle comme ça, et en même temps, de me dire mais t'es pas la boucle, quoi. C'est complètement con. Mmh. Ouais. C'est ce truc. Ouais. Tu sais que le premier sage que j'ai rencontré, il m'a demandé de répéter certains mantras, certains mots que j'ai compris que après la réalisation. Et en fait, il avait raison. C'est une super approche. Mmh. Et c'était une approche qui était aussi conseillée par Siddhartha, justement le Bouddha. Mmh. Et il disait. Pour goûter ce que tu es, il faut juste, entre guillemets, voir rien que voir, entendre rien qu'entendre, toucher rien que toucher, goûter rien que goûter, sentir rien que sentir. Moi, je dirais même percevoir rien que percevoir. Même, j'inclus l'émotionnel, l'énergie, l'éthique et tout ça. Et si tu joues... T'as pas compris? Si, je comprends, mais depuis tout à l'heure, j'ai envie de rigoler depuis que je suis arrivée. C'est chouette, quoi. Je vois. Mais ça fait comme ça, c'est ouf, ou grand ou petit, ou grand ou petit. Ouais. Le truc, c'est être dans le grand, quoi, c'est tout. Enfin, non, blablabla. Ouais. Mais ça arrive parce que c'est libre de ça, justement. Là, tu vois la scène, mais tu sais que c'est pas vrai à propos de toi, donc c'est ça qui est drôle. C'est ça. Mais c'est là où c'est libre. Oui. Sur le plan relatif, c'est jamais libre. Oui. Je connaissais un sage dans les Himalayas qui racontait souvent cette histoire d'un homme, un homme riche en Inde qui avait fait beaucoup d'affaires et qui était tout le temps habillé avec des vêtements hors de prix. Il avait une canne, il marchait dans la rue, il disait... en faisant tourner sa canne, comme ça, moi, je suis libre, etc. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Puis un jour, il y a un sadhu qui s'est mis devant lui et qui a dit « Ta liberté s'arrête là où commence le bout de mon nez. » Parce qu'avec sa canne, il a frôlé le bout de son nez. Donc la liberté, dans le monde relatif, n'existe pas. Ben oui. Il semblerait parfois que c'est plus difficile d'observer les émotions. Parce que les pensées, ça va, on peut les voir. Quand il y a une émotion ou quand il y a une stimulation qui est trop forte et que c'est un peu comme une coupe qui déborde, il y a un moment où la vigilance décroche. Et où on se laisse emporter par l'émotion qui nous envahit, quoi. La vigilance ne peut pas décrocher en réalité. Parce que le fait même de la conscience, c'est une vigilance. Ouais. L'attention, en fait, est la nature même de ce qu'on est. L'un des premiers satsangs que j'ai donné, il y a quelqu'un qui a réalisé le soir en live, oui. Parce que il cherchait quelque chose sur quoi porter son attention, et au moment où je lui ai dit tu es l'attention, il a réalisé le soir, parce qu'il avait cherché pendant 10 ans où je peux poser cette attention, il ne savait pas quoi en faire en fait,
en fait, tu es l'attention, tu es ce qui est attentif, c'est ta nature, c'est ça. Donc la vigilance, elle est toujours là. Même quand tu as l'impression que c'est embarqué dans quelque chose, il y a toujours une vigilance qui est là, un point de vigilance qui est totalement, quand je dis point, c'est pas localisé quelque part, mais c'est totalement tranquille, et ça constate que, bah, que tu es emporté. Oui, ça, c'est ce qui voit que je suis emporté. Mm. Donc en fait, le corps est emporté, enfin, oui, la manifestation. La manifestation. Mm. Donc en fait, la part, entre guillemets, la partie qui croit perdre le contrôle, c'est juste le personnage. Oui. Ça, c'est encore une idée. Par exemple, quand on a réalisé le soi, on est supposé ne pas lâcher le corps et ne pas laisser le corps faire des... je sais pas, s'exprimer comme ça. Il y a des... Pour prendre une sage, à peine une référence, Mananda Mahi, qui est pour les yogis un peu le top du top, c'est arrivé que Mananda Mahi, une fois, voulait une friandise, et elle s'est roulée par terre dans la rue, comme un gamin, pour avoir un bonbon. C'est pas classe. Mais ça joue. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire par cet exemple? Quand il y a quelque chose qui se manifeste, même si ça ne fait pas spirituel, laisse se manifester. Il y a quelqu'un comme ça qui avait eu une expérience d'éveil qui a duré 3 ans, qui était hyper ancré, enfin, qui avait l'air établi dans l'éveil, et puis petit à petit, comme c'était pas... Il manquait quelque chose de réaliser, de conscientiser, il est revenu un petit peu sur le plan du personnage. Et donc, il fait des actions qui ne correspondent pas à l'image de l'éveillé. Sa compagne, elle lui dit: ah, tu vois, tu t'énerves, tu t'agaces. Qu'est-ce que c'est, mais l'image de l'éveillé? Justement. Et pour ne plus être agacé et énervé, il faut embrasser l'agacement et l'énervement. En fait, c'est un état de vulnérabilité tel que ça se pose même pas la question. Tu vois, un bébé, tu vas pas arriver à un bébé de 3 mois. Ah, bah, tu vois, tu t'énerves. C'est la même chose, tu vois. C'est automatique, spontané, ça se pose aucune question. Une fois, j'ai offert un pot de bonbons à un sage que... Tiens, moi, j'ai mis ça il n'y a pas longtemps, j'ai mis un post sur Facebook de lui. Au moment où je lui ai offert ce pot de bonbons, il était vraiment comme un gamin. Ah, merci, puis il était là. Ça fait pas la vie, tu vois. Puis des fois, il regarde le cricket à la télé. Ouais, non, mais pourtant. Ben oui, c'est en ça finalement qu'on est tous éveillés. En fait, si on enlève l'image de soi-même, ouais, c'est tout ce qui reste, c'est ce qu'on est, c'est aussi simple que ça. En fait, quand j'ai parlé hier de ce vide et de cette lumière, ce qui m'est venu hier, parce que je me suis dit quelle a été la première impression en fait, quelle a été la première vision, qu'est-ce qu'elle m'a donné, et c'était l'émerveillement. C'était l'émerveillement. Oui. C'était la toute première... voilà. La source de l'émerveillement, si on veut aller dans le... Après, on n'est pas obligé de tout expliquer, mais c'est juste pour mettre quelque chose là-dessus, si besoin était, c'est de reconnaître le sans-forme derrière la forme. Et donc, en fait, de se reconnaître. Ça vient de là, l'émerveillement.
ça vient de là, la beauté, que les philosophes n'avaient pas expliqué c'est quoi le beau. Et bien, le beau, c'est ça. C'est pas une question de l'humain, parce que si tu reconnais le sans-forme derrière n'importe quel objet, si tu te reconnais, toi, l'espace sans-forme conscient, infini, derrière n'importe quel objet, pour toi, c'est beau. Même un bouchon de bouteille en plastique, n'importe quoi. Même une sandale, même n'importe quoi, c'est beau. C'est une question de se reconnaître. Revenir un peu sur l'émotionnel, ce matin j'ai vécu une grosse panique en voiture. Par rapport à ce que tu disais, j'ai senti que j'étais emportée. Mais du coup, qu'est-ce qui fait problème maintenant? C'est cette pensée que je devrais pas. Que je ne devrais pas être emporté, en fait, c'est peut-être juste ça. Ah oui, mais si tu crois que tu ne devrais pas être emporté vers la souffrance, ouais. Ça c'est sûr. Comment est-ce que. Est-ce qu'un éveillé ne peut pas vivre une panique aussi? Ça dépend de ce que tu appelles il peut vivre. Ouais. Parce que. Non, la vie absolue n'est pas en panique. Après, du point de vue du film, il peut se passer des choses. S'il y a une panique, c'est forcément qu'il y a une peur. Mais c'est pas parce qu'il y a une peur qu'il y a identification à la peur. Tu sais que la peur, elle a un sens. Hein. Ça n'a pas été créé pour rien. Il n'y a pas de... C'est pas je vais mettre une peur comme ça. Un insecte de 1 mm a une peur. Si tu approches ton doigt d'une petite araignée, elle va faire demi-tour. C'est nécessaire pour... Ouais, c'est ça, pour la survie de ce corps. Il y a la nécessité de ça. Après, ça peut se traduire plus... Je dirais maintenant que ça se traduirait plus comme quelque chose d'intuitif, mais sans forcément de peur. C'est-à-dire qu'il y a un pressentiment d'un truc qui commence à grincer. Ou, je sais pas, ça sent quelque chose de... Tu vois? Tout à l'heure, on se baladait dans la rue, par exemple, on a senti qu'il y avait des endroits où ça sentait pas. On a fait un léger contour. On a préféré le salon de thé, tu vois. On était au même endroit. Non, mais ce qui me trouve, c'est que le sentiment intérieur, c'est d'être dans quelque chose de pas juste, en fait. Tout est juste, dans l'absolu. En même temps, dans ce que tu dis, c'est comme si finalement, il n'y avait pas de... Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui va... Enfin, j'arrive pas à sentir qu'est-ce qui va pas... Peut-être que rien ne va pas, c'est... Oui, c'est pas grave d'être en panique, c'était juste... Ah, c'est pas grave pour qui, alors? Ben, pour le personnage, parce que ça contracte le corps, parce qu'on est derrière. Le corps est contracté. Et donc, il y aurait juste à voir ça, en fait. Ouais. Voir la contraction du corps, avoir le mal-être. Ah, mal-être, c'est déjà une interprétation. Tu commences déjà à rentrer dans... Mal-être, le jugement, voilà, mal-être, bien-être, ça commence déjà à... Mais... Tu commences déjà à dire que c'est pas juste, si tu dis mal-être. Des fois, il y a des contractions, c'est comme ça. Une femme enceinte, elle a besoin de contractions pour donner naissance. C'est comme ça, tu vas pas dire, ah ben non, c'est le mal-être. Ça se fait spontanément, tu vois, c'est la nature, c'est pas une question de volonté. Il y a le mental qui vient là-dessus, qui dit mais pourquoi il y a cette peur, en fait. Ah ben voilà, c'est quand tu commences à rentrer dans le pourquoi du comment. Ouais. C'est là où il y a l'erreur, en fait. C'est plus un automatisme qu'une erreur. Enfin, c'est devenu une habitude. Ouais. C'est vivre sous condition, à partir de conditionnement. Et voilà, c'est ça en fait, c'est quand on se sent conditionné, quand on dit qu'on conditionne des objets, c'est qu'on les met en boîte en général, tu vois. Et pour être libre justement, c'est voir ça et voir qu'on n'est pas ça. Mais si tu le repousses, tu vas te refaire attraper, tu vas recréer encore un personnage. Donc rester avec ses contractions. C'est simplement ce qu'il y a dans le corps, cette contraction d'angoisse. Ouais. Même angoisse, c'est pas forcément. Si tu vas vraiment au cœur de l'expérience, c'est une vibration, c'est tout. Okay. Une contraction énergétique, une condensation énergétique, c'est juste ça.
Si tu rajoutes rien dessus, tu vas voir que ça passe très rapidement. C'est un bon détecteur de mensonges, le corps. Le corps, il est vraiment là pour nous dire attention, t'es en train de t'égarer, tu vois. Une fois, j'ai rencontré des brahmacharis en Inde, c'est-à-dire des gens qui ont renoncé à tout, donc ils sont censés plus avoir d'attachement. Et puis là, ils commencent à te dire, tu sais, avec le regard comme ça, là, non mais moi, je suis renonçant. Puis là, tu sens, tu vois bien que... Il y a un truc, tu vois. Et c'est comme ça que tu te refais encore attraper, quoi. Chaque fois que tu essaies d'interférer dans le mouvement de la vie, tu te refais encore attraper. Et ma difficulté, c'est toujours le mental qui vient vouloir expliquer ce qui se passe dans le corps. C'est ça qui me fait chercher. Je pars dans l'analyse de pourquoi, d'où ça vient. Quand on doit savoir d'où ça vient, en général, ça s'impose. C'est évident. Ou alors, tu vas avoir l'élan d'aller rencontrer quelqu'un et on va discuter et là, tu vas voir que ah bah oui, c'est évident. Tout à l'heure, tu as dit tout est juste. Dans l'absolu, j'ai dit. Absolument. Ouais, ça change beaucoup de choses. Sinon, après, je vais avoir beaucoup de commentaires. Je vais pas leur expliquer. Mais c'est ça que je comprends pas. Tout est juste dans l'absolu. Je suis pas là. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers manifesté, il est. Toute la création, elle est faite pour révéler ce que t'es. Et c'est dans ce sens-là, tout est juste. Même ce qui paraît complètement dingue au point de vue manifesté, les conflits, etc. Les conflits aussi peuvent permettre de révéler ce que t'es. L'impersonnel n'existe pas. Mais c'est une question ? Oui, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Quand il dit, pourquoi l'impersonnel n'existe pas ? Oui, mais c'est pas une phrase que tu me dis, c'est une question, je comprends pas la question. Pourquoi l'impersonnel n'existe pas ? J'ai lu ça, que c'est Jeff Foster qui disait ça. Pourquoi ouais. L'impersonnel, ça faisait partie d'ailleurs d'un commentaire qu'il avait fait. L'impersonnel n'existe pas. Mais lui-même, il pose la oui, question. Oui, c'est lui qui dit ça. Alors, en fait, il donne l'explication pourquoi l'impersonnel n'existe pas. Mais je n'ai pas compris ce que ça signifie. Je ne sais pas. On peut jouer avec les mots, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Il parlait peut-être du relatif. Le personnel n'existe pas dans le relatif, mais effectivement, dans le relatif, il n'y a que le personnel, finalement, en quelque sorte. Mais quand le relatif n'existe pas, mieux serait de demander à la personne de répondre. Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que j'allais dire, c'est si c'est lui qui pose la question, c'est à lui donner la réponse, vu que c'est bien, entre guillemets, qui partage. Dans l'absolu, il n'y a ni personnel ni impersonnel, de toute façon. Parce que c'est à chaque fois des étiquettes. Donc il n'y a ni un ni l'autre.
comme... La vraie question serait plutôt de savoir pourquoi cette question est importante pour toi. Ce serait plutôt ça. Ben donc, est-ce qu'il existe vraiment ? Ah, ben voilà, ça c'est une question plus intéressante. Ben dis-le moi, qu'est-ce qui existe vraiment ? C'est une bonne réponse. Après, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que l'existence, parce que pour les sages, ce qui existe, c'est pas ce qui est. Donc ce qui existe, c'est ce qui rentre en manifestation. Ce qui rentre en manifestation, c'est impermanent. Donc, pour les sages, c'est pas la réalité. Donc, le vraiment, le vrai, à propos de toi, c'est pas quelque chose qui se manifeste ou quelque chose qui disparaît. C'est pour ça que finalement, il n'y a rien de grave dans le fait qu'il y ait un mouvement de panique, puisque c'est pas toi, en fait, réellement. La vérité à propos de ce que tu es n'est pas concernée par un mouvement de panique. Oui, donc, tu pourrais pratiquement dire... Le mental s'agite et le corps devient tendu. Et à ce moment-là, tu prends comme un... ou un recul, ou un... je dirais, ou tu l'embrasses plus facilement. Que quand tu dis « je suis paniqué » ou « mon mental », etc. Ou mon corps. « J'ai peur ». Et à ce moment-là, tu es carrément pris dedans. Okay. C'est peut-être un peu ce... Enfin, je voulais dire tantôt ce que Jean-Pierre expliquait. Ils aient commencé à se regarder un peu comme un étrange animal. Ça m'avait interloqué la première fois que j'avais vu ça. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça décolle. Tu commences toutes ces phrases par il y a apparition de. Mm-hmm. Il y a apparition d'une pensée, il y a apparition d'une émotion. Et quand tu vis un phénomène de pixelisation de ce qui. De quoi ? De pixelisation. Moi, ça m'est arrivé des trucs au début de. Comme dans les films, je me suis dit, d'ailleurs je l'avais dit à la préférée, j'ai dit qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que j'ai. Est-ce que c'est mon petit boulot qui. Tu vois, en haute définition en... Non, mais bon, j'ai eu des phénomènes très lumineux. Ouais. Et j'ai assisté lors d'un satsang, j'étais pas seul. On a vu le sage se transformer dans toute la compagnie des sages. Son visage est devenu ultra lumineux. Et sur 6 personnes qui étaient dans la salle, on n'est que 2 à l'avoir vu. Et on a vu à travers son visage des gens qui ont disparu depuis une millénaire. Et là, tu te sors, tu dis à mon épouse est à côté de moi, je lui dis qu'est-ce que tu as vu ? Rien. La personne d'à côté me dit qu'est-ce que tu as vu ? Je lui dis j'ai vu ça. Elle me dit moi aussi. Tiens, c'est bizarre, on est en pleine science-fiction. Et quand je lui en ai parlé à cette personne-là, il a dit ah bon. Il a rigolé, il m'a dit t'es pas le premier à me le dire. Puis il est passé à autre chose, évidemment. Et ça fait beaucoup. C'est là que je me dis des fois, c'est vraiment un rêve. C'est un rêve. Dans le rêve, il y a des petits signes comme ça pour quand on a besoin surtout d'être encouragé en général. Il y a des expériences comme ça, ah ouais, qui disent bon. Continue. C'est pour ça que ça existe, ouais. De choses. Ouais, c'est ça. Souvent, les gens qui voient beaucoup de trucs et tout ça, c'est qu'ils ont, ils ont besoin de d'un encouragement comme ça. Des preuves. Ouais, des preuves, ouais. c'est bien, tu fais pas fausse route, c'est pas grave, continue. Ouais. Moi, je suis pas fou. Non, pas ça. J'ai rappelé un copain de gestion, j'ai dit, mais est-ce que bon, j'ai le mental très souvent fort, il m'a dit. J'ai dit, il y a un moment, j'ai dit, est-ce que je me fasse enfermer, quoi. Parce que, et si tu dis ça à un médecin, c'est pour sûr qu'il me dit, bon, hein. J'ai vu un tel se transformer, depuis le Bouddha, le Sibéla, le machin. Après, j'ai pris Internet et je les ai retrouvés, les mecs, hein. Ils ont pris un super balèze, là, j'ai retrouvé qui c'était, j'ai... Voilà, tu me dis, ça va, je suis pas seul à l'avoir vu, pour qu'on est au moins 2 fous.
C'était pour l'anecdote. Mais c'est là que je me suis dit, des fois, quand on parle de ce qu'on appelle la réalité, ça a encore retitillé le jeu, je me dis, mais en fait, c'est pas vrai. C'est un gros bleu. Bon, ce qui est bien, c'est plus on est fou, plus on rit. Des fois, je me dis mal, même quand je trouve ça souffrant, des fois, ça me soulage en me disant, de toute façon, c'est une grosse connerie. Oui, alors chez certaines personnes, ça ne soulage pas, mais toi, si ça te soulage, je veux me du coup, chez certains, ça ressemble à tout est 20, tu vois. C'est pas tout est 1, c'est tout est 20. V-A-I-N, pas V-I-N. Ouais, du coup, il y a plus d'intérêt, tu vois, comme ça. Cette phase de désintéressement est assez courante sur le chemin, et chez certaines personnes, c'est très, très souffrant, justement. De voir l'irréalité du monde manifesté, c'est... Alors que, c'est vrai, fondamentalement, c'est joyeux. Mais sauf qu'il y a une phase d'entre-deux où t'as ça, mais t'as pas le... t'as pas le pompon, quoi, si tu veux. T'as le truc, bon, bah, y a rien ici, mais t'as pas là où il y a, quoi. Oui, voilà. Et donc, du coup, voilà. C'est souffrant, tu sais pas voilà. où aller, quoi. Et la nuit obscure, en général, on appelle ça. C'est ce qu'on a dit, la nuit obscure. C'est une expérience, quoi. Traverser du désert, aussi, on dit. C'est une approche, le fait de tout perdre pour pouvoir réaliser ce qui ne peut pas être perdu en fait, ce qui ne peut pas être perdu. C'est ça. Certaines personnes passent par l'expérience de tout perdre pour réaliser ce qui ne peut pas être perdu. Et ça arrive très souvent. Dans les éveils spontanés, par exemple, ça arrive très souvent. Les gens, du jour au lendemain, qui perdent tout, la profession, le poids d'argent... Merci, ça va, c'est... Non, mais je te dis pas que ça t'arrive. Ça peut arriver. Bon, ça va, j'arrive au bout, moi. Il y a même des moments où j'ai des gens qui me disent qu'il fallait faire. Il y a même des moments où je me disais, non. Même quand je le fais, j'ai même plus... J'ai même plus l'intérêt de le faire. Ouais. Pourtant, mais... tu vois, j'aime peindre, par exemple, je me dis, et je me mets devant la toile, et puis, à quoi bon? À quoi bon? J'ai plus bon. Mais c'est un... Comme un jeu, c'est une approche qui peut être intéressante, de se poser comme ça, et juste pour jouer, de se dire, ok, imaginons que je perds, donc... tout matériellement, puis après toutes les attaches relationnelles. Je perds mes parents, mes enfants, ma famille, mes amis, etc. Et qu'est-ce qui reste là? Chez certaines personnes, ça va être inconfortable, mais chez certaines personnes, il va y avoir une paix qui va se manifester intense, voire même de la joie. J'ai un ami, il a fait naufrage au Cap-Vert. Ils ont été survivants, ils se sont crachés contre la falaise. La falaise était immense, et comme lui, c'était un paracommando très entraîné, il a monté la falaise pour aller chercher des secours, sauf que la falaise donnait sur un désert. Il a enchaîné naufrage, grimpé la falaise, désert, et au milieu du désert, donc il marche comme ça, il ne savait pas s'il allait avoir quelqu'un au bout. Et à un moment donné, il était persuadé qu'il allait mourir, et là, il y a une grande joie qui est arrivée. Béatitude. J'ai une élève il n'y a pas longtemps qui m'a dit la même chose en cours de méditation, qui partageait que quand on lui a annoncé qu'elle avait un cancer, elle a une grande béatitude qui est arrivée, spontanée. Le médecin, il n'a rien compris. Parce qu'il y a eu un lâcher, d'un coup, toutes les saisies ont lâché. Donc, cette expérience du dépouillement, c'est quelque chose aussi qui peut créer des... C'est pas forcément nécessaire, mais des fois, ça crée un déclic. Moi, j'ai connu une expérience comme ça, et ce qui me venait, c'est... Je suis la complétude. Voilà, c'est ça. Mmh. Tout à fait. Il peut rien te manquer. Je suis la complétude, ça venait tout le temps. Après, le personnage revient, mais...
une expérience comme ça où je suis à complétude, quoi. Quand tu perds tout. Tu peux rien perdre parce que tu es, en fait déjà par nature, tu es tout. Tu as la nature de ce qu'on est, elle n'est pas une forme, c'est sans forme, et c'est partout en même temps. Si tu regardes vraiment, pas avec la tête, mais avec le cœur, par exemple un arbre, tout à l'heure on se baladait dans un parc, il y avait des très beaux arbres, le Jardin des Plantes de Toulouse, il y a des essences d'arbres très très belles. Et là je vais prendre l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure exprès. Plutôt que de vous dire je ne possède rien, vous pouvez aussi vous dire je possède tout. Et donc là tu te dis je me balade dans mon jardin et c'est mes arbres et tout ça. Et là tu touches l'arbre et tu ressens ce que vit l'arbre. En fait tu te rends compte que je suis, tu es l'arbre et en fait c'est ça. C'est tu le perds pas, tu peux pas le perdre. Tout ce que je voyais c'était moi quoi. Enfin, moi sans être exactement. Impersonnel quoi. Donc toutes ces expériences, j'ai l'impression d'avoir été quand même poussée comme une petite souris, parce que là, tu as une expérience mariale, tout lu sur les expériences mariales, ce qui s'est passé, Garamondal, ceci, cela. Ensuite, une expérience d'une vie intérieure, ensuite une expérience d'élémentaux, ensuite une expérience de ceci, mais on fait que courir dans un petit personnage de là à là à là. Alors d'accord, on est encouragé, mais on se décourage aussi à force de... C'est fait exprès, quoi. Quand on a marre de l'expérience. Et puis ensuite, bon, les autres expériences dont j'ai parlé hier, donc et à un moment donné... Ouais, à un moment donné, je me suis dit stop, quoi. Et ça fait du bien, hein. Sympa. Moi, je me suis arrêtée à Mahanandamayi, ses yeux. Ouais, je vois ses yeux, je me dis, waouh, je suis émerveillée. Ce drama-là aussi. Je suis émerveillée de ce qu'elle voit, sans être vraiment consciente de ce qu'elle voit, ou peut-être, je ne sais rien, mais je suis émerveillée. Et j'ai l'impression que cette reconnaissance... Mais tant qu'il y a le petit personnage, il n'y a pas de reconnaissance. C'est le petit personnage qui fait place. Il doit faire. Il n'y a que la conscience qui peut se reconnaître elle-même. Oui. C'est jamais le petit personnage qui reconnaît la conscience. Ah oui, jamais. Donc tant qu'il est là, voilà. En fait, tu t'abandonnes à ce courant. Tu dis je me sens poussé, mais en fait, ce n'est pas je me sens poussé, c'est je m'auto-pousse quelque part. C'est toi-même qui te révèle à toi-même. Et il y a deux optiques possibles. Si tu as une mère et son enfant qui traversent un marché ou une manifestation des Gilets jaunes, par exemple, et là, il y a beaucoup de monde, c'est serré, c'est un peu c'est chaotique, ça bouge beaucoup et tout ça, soit l'enfant, il tient la main de sa mère, ou soit l'enfant, il s'abandonne et il laisse la mère tenir la main. À ton avis, lequel est le plus facile ? Encore ? Alors, soit l'enfant, il tient la main de sa mère, ou soit l'enfant, il laisse sa main comme ça, et il se laisse emporter, il a confiance, il laisse la mère tenir la main. Lequel est le plus confortable ? Lequel est le plus facile ? Pour qui ? Pour l'enfant ? Là, pour l'enfant. Là, je perçois peut-être le point où je bute, c'est la séparation. Oui, mais c'est la séparation. C'est ce moment-là où il faut lâcher et ce moment de séparation qui, je ne sais pas, qui est encore là. Le sentiment de séparation, il va toujours être là jusqu'au bout. Mais ça s'exprime comme un courant. À un moment donné, il y a ce courant d'amour qui s'exprime.
Et puis, quand tu réalises que tu es l'amour, le mouvement de recherche cède. Et cesse. Cède et cesse. Il n'y a plus ça. Mais au début, tu suis le courant. Enfin, même pas qu'au début, tout le temps. Tu suis ce courant. Sauf que soit tu crois que c'est toi qui fais, soit tu suis le courant et ça se fait. Moi, j'ai fait 17 ans, entre guillemets, il semblerait que j'ai fait 17 ans de sadhana et de pratique spirituelle. Et en fait, non. Enfin, le personnage, d'extérieur, on aurait cru que je faisais des choses et que c'était même parfois assez intense. Mais en fait, ça n'a fait que suivre un courant. Ça a suivi ici, ça n'écoutait pas forcément ce que ça disait à l'extérieur. Même si des fois j'avais des sages authentiques à côté de moi. J'ai tourné le dos à des sages. Je suis parti. J'avais Gérald, j'étais à Paris, j'avais Gérald, je suis parti en Inde. Mais bon, je suis parti quand même. Ça a suivi les noms, quoi. Et en fait, il n'y a aucune auteur de l'action, en fait. C'est ça ? Non. Il n'y a personne qui. Ça, c'est l'identification, sans doute l'une des plus dures à déraciner, c'est trop. C'est ce qui me travaille en ce moment, l'auteur de l'action. Il n'y a aucun agissant. C'est ça. C'est-à-dire que tu vois, il y a des bras qui bougent, il y a une bouche qui parle, ouais. Mais là, quelque part, il y a une conscience qui ne bouge pas, qui ne parle pas. Ouais. Et c'est simple, hein, c'est ça. C'est ça, merde, quand je dis ça, mais c'est vraiment très simple. Il y a quelque chose de silencieux là, quelque chose qui ne bouge pas et qui constate qu'il y a mouvement de bras, il y a apparition de paroles, et ça se fait tout seul. C'est juste l'ego qui pense qu'il agit en fait. Exactement. Et qui dit à moi. C'est un truc que je disais tout à l'heure. Il dit à moi. C'est comme si l'ego dit je fais battre mon cœur, je me fais grandir, je. C'est souverain ça. Sur le corps. Je contrôle ma vie. Alors qu'en fait, dans la réalité, la vraie réalité, c'est aucune hauteur d'action. Ouais. C'est que la vie qui s'exprime à travers un corps. Donc il n'y a pas de libre arbitre. C'est ça. Tu peux y en avoir. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas choisi de mettre dans ce corps, dans ce sexe, ceci, cela. Aucun choix. Tu es comme une plante, C'est la vie. Et c'est évident pour le chemin spirituel, personne n'a jamais choisi de faire un chemin spirituel. Voilà. Moi, ça m'est tombé dessus à 19 ans, je ne suis même pas d'une famille croyante, j'étais complètement athée. J'avais des pressentiments, mais j'avais aucune éducation qui pouvait m'amener là. C'est spontané. On choisit rien du tout. Ben. Ça, c'est libérateur, en fait. Ah bah oui. C'est très libérateur. On ne tire qu'on ne choisit rien. C'est fatigant de choisir. Justement, il y a une petite question que j'ai déjà posée. Pas à vous. Il y a un espèce de paradoxe parce que pour percevoir ce que l'on est, on doit avoir cette ferveur et ce feu intérieur qui désire entre guillemets se libérer de rien, mais qui désire se libérer. Et en même temps, il n'y a aucun choix. Oui. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Donc on doit vouloir quelque chose alors qu'on est en incapacité de vouloir quoi que ce soit, puisque tout se fait en dehors de ce que l'on veut, quoi. Ouais, mais ça émerge automatiquement. Voilà. Le vouloir, entre guillemets, ouais. va émerger automatiquement. D'accord. Par exemple, quand j'étais en Inde, j'avais une affinité avec un brahman. Un brahman, c'est quelqu'un qui s'occupe de faire les cérémonies, les pujas. Mmh. Et la première fois que je l'ai vu, tout à l'heure, je parlais du baptême avec la bouteille d'eau, oui. Pour rigoler. Oui. La première fois que je suis arrivé en Inde, donc dans un rituel traditionnel, on passe la lumière devant toi avec les bougies. Et là, il y avait dans la puja, il balançait de l'eau sur les gens. Et la première fois qu'on s'est vu, donc il a balancé de l'eau sur moi, mais sans s'arrêter. Voilà.
faisait chaud, j'étais tout le temps. Et cette, ce brahmana, en fait, une fois on se retrouvait tout le temps à côté. Hein. Pourtant, c'est un ashram immense, il y a beaucoup de gens. Et une fois, on était à côté dans une séance de yoga du champ, hein, de bhajan, où on chantait. Et le gars, en 30 secondes chrono, il a commencé à chanter, et directement des larmes de dévotion qui coulent. Donc en Inde, on dit les larmes de dévotion, elles coulent là, oui. Les larmes de tristesse, elles coulent là. Et en 30 secondes. Et quand j'ai vu, il y a eu un élan qui a demandé, évidemment ça paraît duel quand je dis ça, à avoir cette même intensité de dévotion. C'est pour ça que ça peut paraître paradoxal, mais beaucoup de sages aussi disent de demander. Oui. Même Jésus, il parle tout le temps du Père, etc. Donc ça paraît tout le temps duel. Il a clarifié en disant « Mon Père et moi sommes un ». Mais même quand on le dit comme ça, ça paraît duel. J'aurais voulu savoir quelle est la différence entre un éveillé et un avatar. Alors un avatar, il vient sans karma résiduel. Donc ça veut dire qu'il a rien à comment dire, il a rien. Il n'y a pas de croyances à révéler, des croyances limitantes ou des choses comme ça. Il n'a pas d'entrave entre guillemets pour voir sa nature. Il naît conscient de sa nature. Donc il choisit de. Ouais. De son propre chef, il s'incarne. Ouais. Il s'incarne de son propre chef. Et je crois que dans un satsang sur Paris, tu as dit que tu allais revenir sur la Terre. Oui. Donc tu as vu... En fait, comme il n'y a pas de temps, je suis déjà revenu, mais... Les gens disent tout le temps j'ai vu mes vies passer. Oui. Moi je dis j'ai vu mes vies futures. Il n'y a pas de temps. Et tu dis que tu vas revenir sur la Terre. Oui. Donc tu vas revenir conscient de ce que tu es. Tu le sais. Oui. Je ne suis pas le seul. Enfin, ouais, comme disait Gérard, je ne suis pas le seul à le dire. Et tu pourrais aller ailleurs. Il n'y a pas l'élan, puis en plus, c'est. En général, il y a des exceptions, mais en général, on reste sur les mêmes cycles d'incarnation, sur le même système d'incarnation, en général. Ce sont les yogas ? Comment ? Ce sont les yogas ? Non, c'est-à-dire un système, là on est sur le système Terre, on va dire. Donc on reste sur le système Terre. Voilà. J'aime bien les extraterrestres, mais elle n'avait pas trop envie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas te dire pourquoi. Ah mais de toute façon c'est déjà fait. Ça c'est un privilège pour les éveillés ou on a tous ce choix-là? C'est pas un choix, c'est déjà fait. C'est déjà vu. Comme par exemple quand j'avais je sais plus quel âge, on s'en fiche, mais il y a eu une période où j'ai vécu une nuit noire assez intense. Même si c'était en arrière-plan, c'était pas souffrant, parce qu'il y avait quand même quelque chose qui disait que ça devait être comme ça. Et ça a demandé justement, ça a demandé intensément d'en sortir, parce que c'était vraiment limite. Genre, il y en a certains qui sont restés avec la fenêtre ouverte et sur le bord de la fenêtre pendant un certain temps, limite à vouloir sauter. Quoi, tu vois. Et moi c'était un peu comme ça, sauf que ça ne voulait pas sauter. Et là, donc ça a demandé, et après je suis allé me coucher et j'ai vu dans une lumière un être apparaître. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, je veux être comme toi. Ça a dit, je veux me marier avec toi, exactement. Et l'être est venu vers moi. Et après, quand j'ai vu le visage, c'était Pierre maintenant. Pareil, les boucles, les cheveux longs. À l'époque, j'avais pas les cheveux longs. Donc c'était déjà, il n'y a pas de temps. C'était déjà fait, quoi. Mais comme pour vous, en fait, tout est déjà fait. Ça veut dire qu'il y a plein de probabilités. Il n'y a aucune probabilité. Non, mais il y a beaucoup. Je ne comprends pas, là. J'ai du mal à comprendre.
Vous êtes vu là maintenant, maintenant tel que vous êtes. Je me suis vu à 21 ans comme je serais au moment de la réalisation du soir. Et là, quand vous dites je sais que je reviendrai, c'est parce que. Parce que j'ai vu pareil, c'est la même chose. Mais c'est toujours un film, hein. Sauf qu'il semblerait qu'on change d'enveloppe. J'ai pas la même enveloppe, par exemple. T'as vu sous quelle forme, ouais. Moi, je suis un homme. Si vous me cherchez. Ah, si on est encore en vie. Allez voir venir aussi. Bah oui. Oui, oui. Tu ressembles à Pierre ou pas? On sait pas. Non. Donc l'éveil fait partie du film? Non. Non? Non, l'éveil est hors film. Et hors du film? Hors film. Et hors causalité. D'accord. En fait, tout est là maintenant, avec tout est là maintenant. Tous les scénarios, tout est là. C'est ça, en fait, il n'y a pas de... Ouais. Non, non, c'est pas comme dans les histoires où ils vécurent heureux, ils et à un moment donné, il y a un aboutissement dans l'histoire. C'est ça l'illusion, c'est qu'on croit qu'il y a un aboutissement dans l'histoire, alors que l'aboutissement, c'est maintenant. C'est tout champ du possible en même temps, c'est tout. Enfin, tout s'accomplit maintenant, tout est accompli maintenant. Ouais. On vit le passé, le futur maintenant. Oui. Et la distance, c'est tout. Ouais. Et du coup, est-ce que tous les bébés et petits-enfants, avant l'identification, sont éveillés? On peut dire qu'ils sont éveillés? Ils sont dans la... Comment dire? Ils sont... ils se vivent en tant que conscience. Mmh. C'est-à-dire qu'ils se vivent pas... Ils vivent pas leur... en tant qu'enveloppe, ils ne se sentent pas limités dans l'enveloppe corporelle. Mais par contre, ils ne sont pas conscients d'être la conscience. C'est la seule différence. Je voudrais revenir un petit instant sur l'histoire du paradoxe de vouloir quelque chose alors qu'on n'a aucune possibilité de contrôle. Jean Klein disait que le moindre pas vers, entre guillemets, l'éveil, t'en écarte. Donc là, quelque part, quand on est dans une ferveur, dans un feu, en fait, ce feu-là, même si il nous permet d'avancer vers... on n'avance pas. Mais en même temps, en même temps, de vouloir, ça nous empêche d'atteindre. Ouais, mais c'est pas un vouloir, justement. Ah. C'est pas un vouloir. Ah. C'est pas un truc avec la volonté du mental, c'est un élan. Par exemple, au tout début, moi je connaissais rien, j'avais rien lu. À 19 ans, il y a un éveil spontané qui se manifeste, où ça s'aperçoit qu'il y a autre chose que le monde tangible, etc. Qu'il y a conscience et que ça veut fusionner avec ça. Je disais ça comme ça à l'époque, avec la source, je disais ça. Parce que je connaissais pas Dieu, tout ça. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait plein d'élan tout le temps comme ça, et ça prenait n'importe quand. Et comme moi, j'avais rien lu, je comprenais pas trop, mais je laissais faire. Et genre, mais très souvent, alors c'était des micro-méditations, mais c'était impérieux. C'est comme si ça m'aspirait depuis l'intérieur. Genre, souvent, ça m'arrivait, je mange, tu vois, puis en plus, j'étais avec ma famille, je mange, et puis d'un coup, ça s'arrête de mâcher, puis ça reste comme ça. Puis avec la nourriture dans la bouche, hein, avec la bouche ouverte des fois. Et comme ça, ça prenait pendant 5 minutes, et après ça revenait sur le plan relatif. Et ça a fait ça pendant pas mal de temps. Après, ça s'est un peu de plus en plus stabilisé. Et puis après, ça a fait des hauts et des bas, comme tout le monde, des états plutôt de béatitude, d'allégresse, et puis des états dépressifs, enfin, comme tout le monde, sauf exception rare. Mais... D'accord. Ça, c'était à 19 ans, c'est ça? Oui. C'était à 19 ans. Ouais. Avant que tu fasses ton... Que tu te mettes en chemin. Donc, là, c'était le chemin, en fait, c'était déjà. Ça s'est mis tout seul en chemin. Quoi. Donc, par rapport au fait de vouloir, enfin, on ne veut pas, ça se fait tout seul. Là, j'avais pas le choix. Ouais, y a je ne pouvais choix. Pas lutter. Hein. C'est pas de... Oui, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être en méditation spontanément. Ça m'est même arrivé au travail... Une fois, j'avais un ami qui s'appelait... peu importe. Enfin, si, c'est important, ce qu'il s'appelait Daniel. Et il avait un accent napolitain. Et donc, quand il parlait, il faisait comme ça, tu vois. Et il me disait, c'était à la fin de mon service, je travaillais dans un cinéma, et il me dit, mais Pierre,
quand est-ce qu'on s'éveille ? Donc au moment où il dit ça, il y a un état extatique qui arrive, mais franchement, mes jambes, c'était comme des spaghettis trop cuites. Et donc j'étais appuyé au mur comme ça, et je pouvais rien faire, je pouvais pas sortir du... Oui, du bien sûr. Oui, donc il n'y a pas de vouloir. Ah, ça se fait. Et... C'est pas vous qui avez eu l'idée de vouloir réaliser soi, ça s'est fait tout seul. Et ça vous amène au but tout seul, si vous restez, enfin, de toute façon, vous restez forcément là, ça ne veut que se faire comme ça. Est-ce que tout est écrit ? Oui. C'est un peu déprimant. C'est écrit, c'est déprimant si tu crois qu'il y a une complétude dans l'histoire, si tu crois dans le conte de Walt Disney, c'est déprimant. Si tu te rends compte que en fait le but de la vie c'est pas d'avoir une belle petite vie humaine, un beau petit rêve, mais c'est de réaliser que t'es pas dans le rêve, alors c'est pas déprimant. Peu importe quelle est la nature du rêve, t'es pas dedans. Donc c'est pas du tout déprimant. Au contraire, c'est joyeux. Parce que quel que soit ce qui arrive, tu veux pas être réellement impacté. Ça libère. Ben oui, ça libère. Hein. Il peut rien se passer dans l'histoire qui peut t'impacter. Sinon, c'est risqué, quoi. Les personnages dans les histoires, ils peuvent leur aller des trucs. Hein ? Oui, c'est pas mal. Dit comme ça, ça a l'air pas mal. Ben, c'est comme ça que c'est, en plus, donc ça tombe bien. Et comment on voit qu'une personne est éveillée ? Ah, c'est la grande question. Bon, en Inde, on dit qu'il y a quatre choses qui peuvent donner la puce à l'oreille. La compassion, le désintéressement, l'équanimité et l'humilité. Si quand vous allez voir un éveillé, comme tout, hier, quelqu'un nous a dit... Les 700, des fois, on allonge la thune, tu vois, enfin, pour pour arriver, je sais plus qui l'a dit, mais bon, peu importe. Pour arriver à des retraites spirituelles, des fois, faut sortir le chéquier, quoi. Et déjà, ça peut mettre la puce à l'oreille. Non, il n'y a pas besoin de... Tu dis que le récit est écrit, le récit du personnage. Attends, juste parce que j'ai pas fini. En fait, oui, pour répondre à la question, tu peux le voir que si toi-même il y a réalisation chez toi. D'accord. Qu'est-ce que tu vois ? Tu peux voir qu'il y a réalisation chez quelqu'un que si toi-même tu réalises de soi. Sauf que, alors, quand tu réalises de soi, tu te rends compte que tout le monde est éveillé. Sauf qu'il y a un mince. Bah, comme disait Sage, il y a un mince voile devant d'illusion qui fait croire, exactement comme un état hypnotique, que vous ne l'êtes pas, mais vous l'êtes déjà, vous êtes déjà la conscience, vous êtes tous conscients, donc vous êtes éveillés. Sauf que par-dessus ça, il y a « je suis conscient de » et « j'y crois ». Je suis conscient du corps et je crois je suis le corps. C'est juste ce point-là qui semble qu'il n'y ait pas éveil, mais en fait, il y a éveil, tout le monde est déjà éveillé, il y a une conscience éveillée pour tout le monde. Là. Une personne qui est éveillée, par exemple, dans la salle, tu le vois dessus. Bah, quand elle va commencer à parler, par exemple, elle va... Par exemple, il y a quelqu'un, une fois, qui me dit « Oui, mon éveil... » Déjà, quand elle commence à me dire « Mon éveil, oui, ça sent le... » Ça sent le moisi, tu vois. Et puis là, il commence à me raconter toutes sortes d'histoires sur son éveil, comment ça s'est produit, etc. Donc là, non, c'est clair qu'il n'y a pas éveil. Il n'y a pas réalisation. Parce que dans la réalisation, il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est pas facile de... c'est pas bling-bling. Tu vois, c'est pour ça que les éveillés sont, entre guillemets, les éveillés, les réalisés, ceux qui ont réalisé le soi, sont humbles parce que tu peux pas te la péter avec l'éveil, il n'y a rien pour impressionner, quoi.
soigné. C'est pas impressionnant, tu vois. Non, c'est pas vraiment impressionnant. Cet éveil, c'est juste réaliser qu'on est. Ouais. Être conscient d'être. C'est être conscient d'être conscient. Vous êtes la conscience plutôt. Ouais, voilà. Être conscient d'être la conscience. Et donc, on peut être que tous éveillés. Oui. Sauf qu'il y a, une saveur de ça. C'est pas une saveur d'essence, mais il y a une saveur de ça. Ouais. Par exemple, si je te dis, tu es conscient d'être. Ouais. Donc là, ça se déguste peut-être. Et si je te dis d'où tu sais que tu es, peut-être que ça se déguste encore plus. Tu vas, si tu essaies de trouver le point, du coup, ouais, ça arrive forcément. Parce que tu ne trouves pas, tu dis, ah là, là. Mais non, ça y est. Ouais. Ouais. Ça se sait, mais après. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est libérateur. Alors, si tu essaies de vouloir attraper quelque chose, c'est inconfortable. Ouais. Si tu lâches l'affaire. Ouais, ça rigole automatiquement. C'est bon. Comment on fait pour enlever le voile ? On est tous éveillés, on a un voile. Mmh. Comment on fait pour enlever le voile ? Ben déjà, il faut voir la nature du voile. En général, sauf exception, encore une fois, tout est possible. Et puis, ce que m'avait dit Gérald quand j'étais en sadhana, et qui est en général comme ça que ça se passe, c'est que tu fais des allers-retours entre des moments où il n'y a plus le voile et des moments où tu l'as, et souvent ça passe par des états méditatifs où tu vas lever et baisser le voile. Et à force de, imaginons un rideau, si tu l'ouvres et tu le fermes constamment, tu finis par user le voile et à un moment donné, il tombe. À force de passer de l'unité à la dualité apparente et de faire des allers-retours comme ça pendant un certain temps, et à un moment donné, ça finit par de moins en moins se prendre au jeu, jusqu'au moment où ça lâche tout seul. Ça veut plus, ça se projette plus dans les expériences, puisque ça sait justement qu'il n'y aura pas de complétude. Donc quel que soit ce que tu vis comme expérience, tu t'en désintéresses. Donc quand tu te désintéresses des expériences, qu'est-ce qui reste ? Ben, il reste soyez. Est-ce que le voile est lié au karma ? Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Donc il n'y a plus de production de karma pour en être éveillé ? Oui. Bah, il n'y a plus de production de karma. Le karma. On n'y croit pas. Ouais. Ben, il n'y a pas de karma parce qu'il n'y a pas de temps. Donc, alors, tant qu'on croit dans la temporalité, il y a l'apparence d'un karma, tant qu'on y croit. Et quand on réalise qu'il n'y a aucun temps, et c'est la vérité, regardez dans votre expérience, dans ce qui se vit, vous voyez bien qu'il n'y a pas de temps. Si vous croyez plus du tout, et si vous ne vivez plus du tout le sentiment d'écoulement du temps, pour vous, il ne peut pas y avoir de karma, c'est pas possible. Donc c'est une croyance erronée de penser qu'on atteint l'éveil quand on a vraiment fini tout son karma, tout réglé, plus de descendant, pas de descendant, etc. Voilà. On a la fin de la chaîne, quoi. C'est une croyance erronée. Ça dépend. On pourrait dire oui et non. Si tu veux, il y a deux réponses possibles. Quand à un moment donné, donc les causes créent des effets, quand à un moment donné, il n'y a plus rien qui te met en action, c'est que tu as déjà épuré pas mal de karma, sinon tu te mets beaucoup en action. Par exemple, quelqu'un qui a du lourd, on va dire, qui a beaucoup de dossiers, il va se mettre beaucoup en action pour ne pas avoir ses dossiers. Plus quelqu'un a du dossier, en général, plus il est agité. Plus il va avoir du mal à rester. Et en général, ce qui se passe, c'est que... Après, ça dépend de comment se fait l'action aussi. Chez certaines personnes, l'action, c'est le chemin. Donc ça peut être des actions de dévotion. Mais pour beaucoup de gens, l'action ou le trop plein d'action, c'est souvent pour se fuir soi-même. C'est très drôle parce que souvent on dit aux gens qui vont faire des retraites spirituelles ou qui vont en Inde, tu fuis la réalité, alors que ceux qui disent ça, c'est souvent des gens qui sont à fond
dans la suite, en travaillant à fond. Donc. Bref, parenthèse. Je dis ça parce que je l'ai beaucoup eu. Bien senti. Il y a un moment donné où tu n'as plus l'élan vraiment de, d'être dans l'action. Donc karma, ça veut dire action et devoir. Et il y a un moment donné où tu ressens comme la non-nécessité de ça. Gérald, tout à l'heure, il disait je ne dois rien à personne, j'ai juste compte à rendre à personne. C'est vraiment ce qu'on ressent à un moment donné, c'est que on n'a pas à plaire à papa, à maman, on n'a pas à être reconnu par un tel, on n'a pas à être beau aux yeux du monde, on n'a pas à porter... Si en couple, mari, enfant, quand on est en plein dans une famille... Mari, enfant. Ah, mari. Ah bah, tu as le droit à l'action, mais pas au fruit de l'action. C'est-à-dire que tu joues ton rôle, mais sans y croire. Et ce qui se passe quand il y a réalisation et quand tu vis, par exemple, la vie de couple et le travail, etc., c'est que tu réalises ce qui est dit dans le Bhagavad Gita, c'est celui qui voit l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction est le yogi suprême. C'est-à-dire que pour toi, il n'y a plus... d'agissant, donc il n'y a plus d'action. Il semblerait que ça bouge, que ça fasse des actions, mais en fait, ça n'agit pas. Bien qu'il agit, il n'agit pas. C'est ce qui est écrit dans le texte. Donc, tant qu'il y a attachement pour ses enfants ou pour son mari, c'est aussi, plus que pour des autres, c'est aussi qu'on est toujours dans ces croyances, en fait. Puisque... il me vient... Quand je parle encore de Mahananda Bhai, où son mari au début lui disait « Mais tu m'aimes plus que les autres, quand même, un tout petit peu plus. » Il disait non. Oui. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de préférence. Enfin, il y a... C'est pas une question de préférence, c'est une question d'élan spontané. Parce que son mari, il était quand même près d'elle. Oui. Elle ne l'a pas considéré comme un inconnu. Ah non, c'est son connu ici. Donc voilà, c'est... Il y a quand même eu l'élan de lui dire bah, « tu reste là ». Elle a même gardé toute sa vie ses bracelets de mariage. Oui, absolument. Donc elle a joué son rôle, même si elle a pas consommé. Sans y croire. Mmh. Elle a joué son rôle sans y croire. Et quand bien même elle aurait consommé, ça n'aurait rien changé non plus. Mmh. Il y a des histoires comme ça en Inde de prostituées qui réalisent le soi, ça ne change rien. Ça n'a rien à voir. Faire et être n'ont rien à voir. Peu importe l'action du corps, être ne bouge pas. La conscience par laquelle tu perçois là, elle ne bouge pas du tout. En fait, c'est quand on croit au film qu'il y a souffrance. Comment vous conseillez de méditer pour vous dévoiler? Ah, il y a beaucoup d'approches. Hein. Oui. Il y a une histoire comme ça, un homme qui pose la même question à un sage en Inde et qui lui dit comment je peux méditer pour vous dévoiler. Donc le sage lui dit qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est la question que je vais te poser. Et ce monsieur est paysan et lui dit ce que j'aime le plus, c'est mon buffle. Mmh. Avec mon buffle.
avec lequel je cultive ma terre. Et tu sais, je lui dis, bah, très bien, concentre-toi en méditation. Donc tu t'assieds et puis tu restes centré sur le buffle. Moi, j'ajouterais, en même temps, tu ressens au niveau du cœur, au niveau du corps, ce que ça fait, et tu restes là, dans cette ouverture. Et puis, au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, je ne sais plus, le sage retourne voir son disciple et frappe à la porte et lui dit « C'est moi, laisse-moi entrer. » Il n'entend rien, enfin, il n'y a pas de réponse. Donc du coup, le sage refrappe à la porte, insiste un peu plus, et puis finalement, le disciple finit par répondre « Oui, maître. » Donc le maître lui dit « Bah, sors, je voudrais te parler. » Et donc le disciple dit « Je peux pas. » Et « Pourquoi tu peux pas ?»« Bah, mes cornes m'empêchent de passer la porte. » Mais là, on est encore dans le vouloir. Non, c'est avec le cœur. Parce que, oui, mais vouloir méditer pour justement atteindre, on n'est pas dans le vouloir, on est dans le faire. Avec le cœur, avec l'élan du cœur, il a demandé à son maître comment méditer. D'accord. Avec l'élan du cœur, il a écouté les conseils de son maître. Avec l'élan du cœur, il a médité. Avec le cœur, il a révisé. Oui. Parce que, bon, après, l'histoire n'est pas finie. Après, le maître lui dit, c'est parfait, mais continue avec, je ne sais plus s'il dit la conscience ou le goût de la paix. En fait, il y a... En Inde, on dit, il y a... comment on dit déjà ? Je suis tellement plus dans... Je suis plus trop dans les pratiques, alors il faut que je me souvienne, mais en gros, il y a l'absolu avec une forme, et pour certaines personnes, ça les aide de prendre une forme, et puis il y a l'absolu sans forme. Donc après, il lui dit de méditer sans forme. Donc, qu'est-ce que tu aimes le plus ? Ah, c'est un très bon exemple. Donc, la nature, t'arrives bien à visualiser ? Oui. Okay. Donc, tu peux t'imaginer dans un lieu de la nature, etc., que tu crées intérieurement. Et avec ça, il y a un ressenti qui s'accompagne, quand tu te sens bien. Et puis après, il y a un goût du calme qui se révèle. Et donc, une fois que tu sens ce goût du calme, soit tu restes avec l'image, et ça c'est de la concentration, soit tu rentres en état de non-pensée, et tu restes focalisé sur le calme lui-même, sans penser. Et à ce moment-là, ça c'est de la méditation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pensée. Tu t'es centré sur le sans-forme. Quoi. Et en Inde, on dit ce sur quoi, je modifie un peu la phrase, parce que la phrase c'est « as you think, so you become », comme tu penses, tu deviens. Moi je dirais « ce sur quoi tu te centres, tu deviens ». Donc tu te centres sur le calme jusqu'à ce que au début tu sens le calme, après tu sens que tu es dans le calme, tu crois encore que tu es quelqu'un, et après tu sens que tu es le calme. Et à partir du calme, après tout le reste en découle. La joie, l'amour, ça vient du calme, tout ça. Mais on peut aussi utiliser le chant. Toutes les approches qui permettent de goûter une paix, une ouverture, quelle que soit l'approche. Et puis on n'est pas obligé de se mettre dans une situation particulière ou dans une assise pour méditer. On peut pratiquer, on peut pratiquer en marchant, par exemple, en modifiant le souffle aussi, ça permet de ralentir les fluctuations du mental. 4 pas à l'inspire, 4 pas à l'expire, par exemple, tu régules le souffle aussi, ça aide. Et il n'y a même pas besoin de méditer non plus, dans l'absolu. Ça... Quand on arrive à rester dans le présent, très dans le maintenant, en fait, on est en méditation. Non, pas ça. Tu peux pas ne pas être présente. Tu peux pas ne pas être maintenant. Est-ce que tu peux... Alors, quand on est conscience qu'on est dans le maintenant, qu'on laisse pas jouer le mental. Ouais, c'est ça. Quand t'es plus dans tes pensées. Voilà.
on est dans le, on est en méditation. Enfin, comme cet état de méditation. La méditation, c'est simple, c'est un état de non-pensée naturelle. Mmh. Donc oui. Mais c'est pas non plus une fin en soi. C'est une clé, mais c'est pas une fin en soi. Après, les gens, ils confondent. Ils pensent que quand il y a réalisation du soi, on est en état de non-pensée constamment. Mais non, ça n'a rien à voir. Après, effectivement, la conscience absolue n'a pas de pensée. Mais pourtant, il y a des pensées qui émergent. On en a besoin pour en communiquer. Mais ça veut dire que là, en même temps, pendant que je te parle, je peux en même temps goûter la non-pensée. Oui, je l'entends. Et ça vient pas du même endroit, non? Non. Enfin, oui et non. Si, on pourra dire que ça ne se confond pas. Mais si, les pensées sont aussi incluses et embrassées dans cette non-pensée. De toute façon, il faut un silence pour que percevoir quoi que ce soit. Je l'entends, si, mais je ne peux pas le... Oui, je ne peux pas l'expliquer. Ouais. C'est comme le mouvement du corps, par exemple. Même quand le corps bouge, en même temps, je perçois tout le temps qu'il y a un non-mouvement. Tout le temps. Il y a non-mouvement, il y a non-pensée, et il y a une non-perception en permanence. Mais que tout le monde peut goûter. Hein. Parce que si vous êtes capable de sentir... la main, par exemple, c'est que vous êtes tout à fait conscient de la non-main autour. C'est-à-dire qu'il y a une non-perception autour de la main. Vous devez conscientiser obligatoirement pour sentir la main. Sauf que comme le mental, enfin, par habitude, on focalise, c'est pas le mental, c'est la conscience, mais ça focalise sur les objets. Donc du coup, on oublie qu'on est en même temps la non-pensée, le non-mouvement, le non-objet. On se focalise toujours sur des objets. À la fin d'une méditation, il n'y a pas trop longtemps, je dis aux élèves à jouer comme pour jouer, essayer de ne focaliser sur rien, juste pour jouer comme ça. Quelques-uns ont réussi, mais la plupart, enfin, ça dépend de chacun. Mais quand on est bien en méditation, on peut réussir à ne focaliser sur rien et à goûter ce que ça fait. Et la fin de la souffrance est là. Parce que la souffrance est proportionnelle à la focalisation et à l'identification. Au pourcentage près, c'est vraiment exactement le degré d'identification et de focalisation crée ton degré de souffrance. Précisément. Donc, pour atteindre le fait, il faut le vouloir. C'est justement, c'est lâcher le vouloir. Mais quand tu dis, par exemple, tu te mets en méditation justement pour monter dans le pouvoir. Le fait de te mettre en méditation pour arriver justement à atteindre ce but. Moi, j'atteins plus rien, mais... Le fait de se mettre en méditation pour atteindre justement l'éveil, est-ce qu'on n'est pas dans le vouloir? Non, si ça part d'un élan du cœur, si c'est spontané, c'est pas un vouloir. C'est pas mental. C'est pas mental. C'est vrai que c'est assez frustrant parce que ça s'est arrivé en fait une fois il y a quelques mois. En fait, je ne sais pas si c'était de la méditation, mais j'avais vraiment fait un état de relaxation. Et c'est vrai que je me répétais accepte ce qui est, accepte ce qui est, accepte ce qui est. Donc là, je sens en fait toutes les tensions qui lâchaient. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé que même celui qui disait accepte ce qui est, en fait, était déjà accepté. Et en fait, ça s'est révélé tout seul. Enfin, j'ai senti qu'il n'y avait aucune volonté. Ça a émergé vraiment tout seul. Il y a juste le rire qui est resté. C'était vraiment un vide, une pression en fait, qui tombait. Et c'est vrai, du coup, maintenant, je continue à méditer, sauf que du coup, c'est un vouloir.
Et je sais, enfin, c'est assez frustrant parce que du coup, ben, j'attends toujours quelque chose et je sais pas trop comment m'en sortir avec ça. Mmh. Et c'est assez déprimant, je trouve un petit peu aussi. Oui. Et n'arrive pas à lâcher le boulot. Non, et puis ça fait peur de lâcher le pouvoir, ça fait peur. De sentir en fait cette espèce de présence qui est toujours là. En fait, j'ai l'impression de l'avoir des fois sur le bout de la langue. Et c'est très frustrant parce que c'est comme si je le savais déjà, mais j'arrive pas à enlever le poil. Et en fait, quand ça s'est apparu, en fait, c'est vraiment un rideau qui est tombé. J'ai vraiment eu cette image, en fait, il y a un rideau qui est tombé, il y a ça, en fait, qui s'est révélé tout seul. Mm-hmm. Et enfin, je médite, entre guillemets, mais je ne suis plus pareil. Enfin, je sens que donc, ça me rassure, en fait, quand vous dites qu'il faut qu'on continue quand même pour que le voile, en fait, tombe. Mais, c'est vrai, et du coup, ben, par rapport à tout ce qui est le monde extérieur, ben, il y a cet état de déprime en fait, qui arrive un petit peu aussi sur il n'y a plus rien à l'extérieur au final qui a du sens. C'est pas qu'il n'y a plus de joie, mais c'est qu'il n'y a plus mon sens. Donc, du coup, on est dans un espèce de fer, mais on sait qu'il n'y a plus de but. Enfin, c'est. Ouais. Donc c'est un peu déprimant quand même. Ben, tant qu'il y a un sens, il y a du mouvement. Et le mouvement, c'est fatigant. Donc, à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est plus fatigant de vouloir mettre un sens à la vie. Et c'est beaucoup plus reposant de juste rester au même endroit sans chercher un sens. Tu restes en tant que ce que tu es. Et tout ça, ça peut être vu et tous les mouvements de recherche, justement. Ça, c'est des trucs du personnage. Et avec une grande authenticité, une grande sincérité, regarde vraiment ce que tu veux, ce que ça veut. Qu'est-ce que ça veut de plus que maintenant? Regarde comme l'illusion est bien faite. Comme le mental veut quelque chose qui, dès le début... C'est complètement improbable dès le début. Parce qu'il n'y a rien d'autre de vécu que maintenant. Et le mental te fait croire qu'il peut y avoir un truc mieux plus tard. Mais plus tard n'existe pas, n'existe jamais, il ne viendra jamais. Parce que ce sera toujours plus tard. Donc ça n'a pas de saveur. En fait, bien que quand tu dis ça, en fait, je sens ça. J'ai l'impression d'avoir sur le bout de la langue. Quoi. Enfin, c'est limite un peu fatigant parce que. Qu'est-ce qu'il constate ça? Regarde-le. Il y a quelque chose qui constate le jeu du personnage qui est fatigué, le jeu du personnage qui... Et c'est normal, ça fait toujours ça. Enfin, c'est très courant que ça fasse ça. Le jeu du personnage qui essaye encore un petit peu, parce qu'en fait, il n'y aurait pas de problème si ça essayait plus du tout de chercher quelque chose dans le monde, mais ça continue un peu de chercher. Et ça ne trouve rien. Il n'y a pas de satisfaction. Et ça, du coup, c'est la tension. Ça crée une tension, ouais. Non, mais là, c'est la tension. Enfin, oui, c'est ça. Ce qui se rend compte de ça, c'est la tension. Oui, il y a quelque chose qui est attentif à ça. Et ça, c'est tranquille. Ce qui est attentif au mouvement de recherche ne cherche rien. Une, deux, ou bon, deux, trois questions, ça dépend. Après, des fois, juste de savoir que. Il y a un trésor inestimable, bah c'est déjà bien, même si on ne l'a pas réalisé. Mmh. C'est juste... c'est cool, quoi. Mmh.
J'ai une élève, on va dire, qui a vraiment des difficultés, qui a un mental très présent et tout ça, mais elle lâche pas l'affaire alors que vraiment tout est difficile, quoi. Et je lui ai rappelé justement la phrase de saint Augustin, « Mieux vaut marcher à cloche-pied dans le bon chemin que courir dans le mauvais. » Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés d'avoir une complétude dans le monde et qui courent à fond, quoi. Et alors que ça n'aboutit rien. Il a fallu qu'il s'est vu le faire. Je trouve que c'est une croyance de penser que au bout, enfin, qu'on va se réaliser, que ça va être le choix génial. Mais c'est vrai que moi je suis comme ça aussi. C'est pour ça que je continue, je dis ouais, peut-être que ça va être cool. Que... C'est ce que je disais au début de cette séance, cette croyance-là est quand même nécessaire. C'est cette croyance et même ce désir-là, pour les sages, c'est le seul désir, même si ce n'est pas vraiment un désir, mais le seul désir, on va dire, qui... C'est parce que... Que vraiment, qui a, oui, qui a, voilà, donc, si vous voulez parler encore du point de vue relatif, qui a encore un sens. Ouais. Mais nécessaire. On a le droit, on a quand même le droit d'avoir un petit fouillard de croyance. C'est la droite, c'est là, t'as le droit d'ailleurs. C'est pas fou non plus. Comment ? C'est pas fou. Non, c'est pas fou. Non. Même il y a des pratiques, il y a des approches comme ça. Il y a des sages himalayens qui disent croyez dès maintenant que vous êtes réalisé. Voyez-vous déjà maintenant comme un Bouddha parfait, par exemple, ou comme un être déjà parfait. Je vois ce que je crois. Voilà. Ouais. Il y a la peur aussi, la peur de l'inconnu, de ce qu'il y a après, de lâcher le contrôle, c'est la peur de mourir, en fait, parce qu'on lâche tout. On lâche tout et il faut avoir une confiance absolue dans le fait qu'une fois qu'on a tout lâché, on est quand même aimé et c'est ça. On n'a pas peur de l'inconnu parce que si tu ne le connaissais pas, tu n'en aurais pas peur. On a peur juste de lâcher ce qu'on a. C'est un peu le proverbe « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Moi je te dis « l'infini vaut mieux qu'un tien ». c'est que tu crois que ce que tu possèdes c'est déjà bien, on va se contenter, au moins on est confortable. Ben, c'est pas si confortable que ça, tu vois. L'infini est plus confortable que d'être un personnage. Ça va plus loin que la possession d'objets, ça va aussi dans la possession de son corps. Oui, parce que justement, le corps est un objet. Je lâche la possession de mon corps, qu'est-ce qui va lui arriver, quoi ? Est-ce que je vais tomber par terre ? Est-ce que je vais mourir ? Et ça, c'est... Je parle pour moi, c'est une des peurs qui remonte à chaque fois, justement, je commence à lâcher. J'ai cette angoisse impossible à retenir qui me fait revenir sur terre et me dire, oh, lâche pas, parce que tu vas tomber, parce que tu ne seras plus rien après. Alors des fois, une fois, le voile, justement, ce voile de lumière, les gens disent « Ouais, je suis revenu de la mort, j'ai vu la lumière, vite, je suis parti de la lumière. » Mais ça, je l'ai déjà eu, et j'ai eu cette vision qui me disait, enfin, j'ai eu la vision de la lumière, et ce ressenti qui me disait « Sors-toi de là, parce que ça, c'est pas... voilà. » Il faut pas lâcher, quoi. Il faut, et c'était pas par rapport aux objets, c'était surtout par rapport à mon corps. Mon corps, c'est un objet. Voilà. Comment arriver à vaincre ces angoisses-là, pour moi, c'est le plus compliqué. Il y a plusieurs approches possibles. Soit tu les vois de manière impersonnelle, en tant que la conscience que tu es, que tu vois que ça n'appartient à personne.
ou soit tu peux résoudre, on va dire, le nœud karmique originel. Et là, c'est un truc de l'enfance. Quand tu parles, ça me saute aux yeux que c'est un truc de l'enfance. C'est un truc de... on t'a dit que c'était important de construire quelque chose, de... Genre, faut bien travailler pour... Enfin, ah oui, bien sûr. Voilà, bon, c'est ça. Faut être un personnage qui est bien dans le cadre, quoi. C'est un peu le dogme dans lequel on est bercé. Non, tu es justement une croyance est forte quand on dit « on ». Parce qu'on pense que tout le monde croit comme nous, mais en fait, non. D'accord. Moi, depuis l'enfance, ce côté-là, c'était un truc que j'avais pas du tout. Le côté... Après, tu vas voir quand même. Comment tu vas parler ? Non, tu vas la parole. Après, il y avait peur du quotidien. Comment je vais subvenir à mes besoins ? Pareil. J'en suis là. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui est appris. Je suis... j'arrive à la retraite. J'aurai ce que j'aurai. Je suis à la limite, donc, toujours de cette bascule J'ai encore cette... Et j'ai toujours eu, qu'on le sait que ça vient depuis tout petit, cette peur de manquer. Ouais. Et voilà, ça je sais d'où ça vient. Après, savoir d'où ça vient, c'est une chose. Oui, mais le goûter émotionnellement, oui, voilà. Et vraiment le goûter pour que ça puisse être éclairé, conscientiser et que ça lâche, tu vois, c'est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui. Enfin, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit je me connais à fond, parce que j'ai fait 40 ans de psychanalyse, en fait, ça marche pas. Ouais, c'est le cas de brûler, ce que vous avez dit. Il faut vraiment le conscientiser. Par rapport aux peurs, par rapport à la lumière, ce qui arrive, est-ce qu'on peut se tromper ? Parce que moi, là, j'ai une peur phénoménale, c'est de me tromper par rapport à ce qu'est cette lumière et d'être prise par. Comme on a beaucoup lu, d'être pris par une entité ou quelque chose comme ça qui nous aspirerait dans un mauvais chemin. C'est toujours la même chose. En plus, tu dis « on » pareil. En fait, c'est encore un truc... Et là, quand tu parles, c'est marrant parce que je vois petite fille en train de parler. Parce que c'est vraiment, encore une fois, la petite fille qui parle. La peur de se tromper, elle vient aussi d'enfance. C'est comme si le petit personnage s'était créé à partir de ça, de ce matériau-là. Quoi. Et en fait... tu peux pas, en fait, tu peux pas te tromper dans l'absolu. Donc, c'est impossible de se tromper. Tout ce qui se manifeste, tous les élans qui se manifestent spontanément, et il y a toujours quelque chose qui se conscientise à travers ça. Même les expériences qu'on dit négatives, non justes ou peu importe, ça fait partie du processus qui fait que tu conscientises. Tu peux vraiment pas te tromper, quoi. Ça, c'est ma hantise. Moi, je suis thérapeute. Donc, à la fin de chaque soin, il y a la lumière qui est là. Et ma hantise, c'est de ne pas être dans la justesse et de d'alourdir le patient au lieu de l'énerver. Et c'est justement ce que j'allais dire. Si t'as peur de te tromper, alors en tant que thérapeute, efface-toi, justement, ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que j'ai rencontré quelques très bons thérapeutes, mais vraiment très très bons. Et à chaque fois, tous, c'était ils avaient tous conscience de ne rien faire. Alors ça, cette conscience-là, je l'ai. Mais il y a ce petit truc qui vient sans arrêt quand même titiller. Alors tu fais quelque chose, il y a un agissant, sinon il n'y aurait pas ça. Tu te dirais pas je peux me tromper si c'est pas non, toi non. Qui fais. Non, je dis pas je peux. Enfin, alors je me suis mal exprimée. J'ai la peur, c'est pas. Comme je sais parfaitement que c'est pas moi qui agis, alors c'en est une certitude absolue. Par contre, ce dont j'ai peur, c'est que peut-être que ce soit pas le bon niveau qui arrive plus exactement. Que ce soit peut-être. Comment je pourrais exprimer ça ? D'être dupé. D'être dupé, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, ça c'est la justesse de ce que je voulais exprimer. Être dupé du niveau, si vous voulez.
Ton corps, ouais, en fait, ton corps, c'est ton pendule, on va dire. C'est lui qui va te permettre de savoir s'il y a du prix ou pas. Le corps, il ne peut pas se tromper. C'est la vie. La vie ne se plante pas. Elle sait tout de suite. Ça va faire un grincement. Ça va faire un truc. Ça va sonner faux s'il y a quelque chose qui est pas juste. Après, si tu as besoin, tu peux te servir d'une aide. Je connais par exemple une très très bonne thérapeute qui garde quand même un pendule, et des fois ça lui arrive pendant qu'elle est tout le temps avec son pendule, même quand elle cuisine le pendule. Elle fait tout, pourtant elle a un super élan, mais comme elle veut pas être dupée, pareil, elle garde toujours son pendule, et quand elle parle des fois, et quand elle soigne, plutôt, ouais c'est ça, quand ça soigne, voilà, ouais, c'est ça, c'est pas elle qui fait, oui, ça soigne tout seul, des fois elle sent qu'il y a des choses à corriger, et ça, parce que ça se manifeste. Donc on peut être dupé quand même. C'est pas que c'est dupé, c'est donc ça fait partie du processus aussi, quoi. En fait, ce qui te dupe, c'est peut-être l'angoisse qui te dit de ne pas aller dans la lumière. Non. Non. Non, tout ça, c'est un truc qu'on ne maîtrise pas. C'est un truc qui... Ça, c'est la question de la responsabilité. Et c'est un truc... Je me sens responsable, tu l'as appris étant enfant. T'es pas responsable de tout, hein. Même un super thérapeute, il peut se planter. Peut-être qu'il faut que tu arrêtes de croire que tu es thérapeute, justement. Là, il n'a pas loupé. J'en suis à me demander si il est nécessaire. Je remets tout en question, même l'acte, enfin, le fait de traiter. Est-ce que c'est un acte qu'on doit. Enfin, il n'a aucun sens quelque part, dans l'absolu. Je te cache pas qu'il y a pas mal de thérapeutes qui ont changé leur approche après avoir écouté cette chanson. J'en fais travailler 3 matinées par semaine. Parce que l'acte thérapeutique a perdu son sens. Mmh. J'ai même des psychologues et des psychiatres qui m'ont dit que maintenant, ils ont leur approche, c'est d'interroger les gens, et c'est les gens eux-mêmes qui... En fait, ils font plus rien, quoi. Ah bah oui, je dis juste, est-ce que c'est vrai, en gros. La personne elle-même, elle... Oui, tout à fait. Mais même ça, à la limite, ça n'a aucun sens. Si, ça dépend. Sinon, tu ne serais pas là. Même si on n'est pas thérapeute, mais... La rencontre a un sens. Juste la rencontre, la présence a un sens. Alors, c'est vrai que... Je ne redonne jamais de rendez-vous. Quelque part, c'est vraiment parce qu'ils veulent venir qu'ils sont là. Quoi. Ça, c'est évident. Mais après. Parce qu'ils veulent guérir qu'ils guérissent. Voilà, c'est ça, quelque part. Mais il subsistait ce petit truc encore. Parce que tu crois que tu as une responsabilité dans l'histoire. La responsabilité. Et ça, tu l'as appris étant enfant. Regarde bien, il y a quelqu'un qui t'a dit tu es responsable de ceci, de cela. Pas dans ces mots-là, mais. J'étais responsable de mes parents. C'est voilà. C'est ça. Soit on te l'a dit, soit c'est une mise en scène que tu as cru vrai. Donc, lâche l'émotionnel qui va avec ça et tu auras plus ça. Dans ce cas-là, le mot éducation n'a plus de sens. Non, mais dans l'absolu, il n'y a pas d'éducation. Tu ne peux pas éduquer la conscience. Non, on a des enfants. Ouais. Comment on s'y prend ? Pareil, c'est exactement pareil. C'est l'élan spontané, bah, ça va sentir ce qui doit être dit, ce qui doit être fait. Automatiquement. Je dis pas que c'est... Enfin, pour beaucoup de gens, c'est pas évident, mais ça fait aussi partie de... On va dire que c'est une sadhana en soi pour certaines personnes. C'est un chemin spirituel en soi, ou comme le couple. Comme le couple aussi, quoi. Le couple, ouais, ou pas. C'est quoi une sadhana ? Une sadhana, c'est un. Ça a plusieurs un cheminement spirituel ou une ascèse, discipline spirituelle. Quelqu'un a eu l'expérience de vivre comme s'il était mort en méditation. Toi, tu as vécu le corps comme s'il était mort ? Non, pas moi. Un ami qui a vécu ça. Ça correspond à quoi exactement ça ? Le fait de plus, enfin, d'avoir comme le corps mort et
en méditation, le cœur qui a une fréquence très très... Ah, le cœur qui s'arrête, ah, oui, voilà. Okay. Ça correspond. C'est un état méditatif. Oui. C'est un état méditatif. Oui. Et, mais ça correspond à quoi vraiment? Kumbhaka. C'est le sanskrit, oui. Tu chercheras sur Internet. Kumbhaka, ou tu dois dire Vikalpa Samadhi, si tu veux. Mais donc, il est parti. Enfin, il est parti. Aucun terme. Elle est sortie du corps? Il est, oui. Le corps astral est sorti. Ouais. C'est une sortie du corps? Oui. D'accord. Ah non, c'est autre chose, si tu me dis qu'il est sorti du corps, le corps peut rester avec le cœur qui bat pareil, et il peut y avoir une sortie, une expérience hors du corps, mais c'est pas pour autant que corps physique continue de fonctionner normalement. Et ça peut exister sans que ce soit une sortie du corps? C'est quoi alors l'autre chose? Oui, l'autre chose c'est que le corps par exemple devient froid, la respiration est quasiment imperceptible, le cœur pareil, c'est comme s'il était arrêté, il y a très peu de circulation sans d'ailleurs si on touche on pense qu'il est mort. Mmh. Oui, et si c'est pas une sortie du corps alors c'est quoi? Excuse-moi, c'est un état méditatif. Oui, mais toutes les méditations n'arrivent pas à ça. Non, c'est juste une expérience. C'est une expérience, ouais. Et pendant qu'il est dans cet état corporel, il est dans la paix, quoi. C'est une expérimentation de la paix, c'est... et de l'unité. Enfin, c'est entre en tout cas, moi, ce qui s'est vécu ici, c'est que dans certains états où il y avait plus de vritti, vritti ça veut dire une onde mentale, c'est même au-delà des pensées, c'est plus subtil que les pensées, il n'y a plus aucune onde mentale. Dans ces cas-là, ce qui se passe, en fait, c'est comme si tu avais l'électroencéphalogramme plat, si tu veux. Là, il n'y a plus de mouvement respiratoire, le diaphragme ne bouge plus. Et puis, à un moment donné, au bout de X temps, on n'a pas conscience du temps dans cette expérience-là, à un moment donné, ça dit, respire, ou quelque chose comme ça, et là, à ce moment-là, ça revient sur le plan relatif. Quoi. Ça met en pause. C'est l'expérience. Comment ? Ça met en pause le corps. Ouais, si on veut, on peut dire ça comme ça. Mais la réalisation, c'est pas ça. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'expérience. Qui a peut-être dit ? C'est une expérience. Donc ça n'a pas de fin en soi. Ouais. Ma dernière question. je ne sais même pas si c'est une question, mais en fait, j'ai une croyance qui me fait rire parce que ça me raconte un scénario de... J'ai tellement l'habitude d'agir à partir du fait qu'en fait, le scénario qui se raconte, c'est « mais si tu vas vers l'être, t'aimes tellement dormir, par exemple, l'image que j'ai de moi, c'est « tu vas rester couché, mais juste tu as pu... » Enfin, voilà, et ça me fait penser à d'autres témoignages quand ils disent la mort, etc., mais vraiment... C'est le scénario qui me dit, mais c'est bon, tu vas plus rien faire. Et c'est vrai, je vais plus rien faire. Mais je sais pas, il y a vraiment un truc de... C'est comme si là, vous êtes inspirant pour moi, parce que vous agissez à partir de l'être, et vous faites quand même des choses. Oui. Mais moi, j'ai vraiment cette image qui reste, la croyance que tu vas rester couché, c'est bien, ouais. C'est bon, tu fais plus rien, puisqu'il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien, c'est bon, il n'y a plus besoin de... Tu sais que ça peut être une expérience, c'est une expérience très intéressante. Pour mon fils de 11 ans, ça peut Et après, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, je rigolais toute seule, parce que je sais que c'est un scénario qui se raconte et que c'est presque, voilà, pour un peu me duper, dire, mais tu vas pas rester comme ça, comme une loque ou... Ça touche à une phrase que je ne comprenais pas du tout, justement, que disait Madame Damani. C'est, elle disait, quand vous réalisez le soi, tout le karma tombe. Et il n'y a plus d'action. Et moi, je voyais ça comme ça. Je me disais, quand j'aurais réalisé le soi, je serais sur une chaise comme ça, en regardant le mur. Et ce serait possible. Ça pourrait le faire aussi. En fait, c'est pas ça. C'est que... pas mieux le dire que c'est comme si tu étais en sommeil profond, sauf que tu es en train de bouger. Mais c'est pareil. Et toutes les actions, du coup, elles découlent pas de « je vais faire ça pour un truc ». Ah non, pas du tout. C'est vraiment... Mais en fait, c'est déjà comme ça, sauf que tu crois que... Tu crois que la pensée vient de toi, mais ça, c'est spontané. Et quand tu dis « je ne vais pas la suivre », c'est pareil. Voilà. « Je ne vais pas la suivre », c'est aussi venu spontanément. Tu ne l'as pas choisi. Thank you.
commence à plus suivre aucune des pensées. On arrive à dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qui est encore une pensée. Oui, mais il y a encore un... Il y a encore un jeu. Il y a encore un jeu. Il y a encore un jeu. Ouais. Tu ne te poses pas la question quand... Quand il n'y a que être, il n'y a pas la question qu'est-ce que je fais là. C'est justement la photo très drôle que j'ai postée sur YouTube hier, ou je sais plus quand. Et le Batman qui donne une claque à Robin, parce que Robin il dit j'ai trouvé. Non, c'est quoi je suis éveillé, ça y est. Et puis Batman lui met une claque, il n'y a pas de jeu, retourne en méditation. Il n'y a pas de jeu, retournez en méditation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.